à tous. Nous allons commencer nos séances. Je crois que nous avons largement le quorum. Je salue le maigre public et je salue celles et ceux qui, bien évidemment, nous reçoivent via les communications modernes. Bien, chers amis et néanmoins collègues, je dois donc excuser un certain nombre de personnes. Anne Bailly, qui a donné pouvoir à Queneau, c'est ça? N'est-ce pas, Yann? Anne Vuaille à Madame Salin. Nicole Magali, jusqu'à son arrivée, elle n'est pas là encore. Hein. Elle n'est pas là à Claude Kopelansky. Et il va y avoir aussi Patrice Coste à moi-même, qui est visiblement, le Covid règne un peu en maître maintenant. Parfait. Je vous propose, si vous en étiez d'accord, je pense que de nommer Sylvie Duflo comme secrétaire de séance. Les choses étant ce qu'elles sont, j'ai donc grand plaisir à accueillir Madame Anne-Sophie, Marie-Sophie de Ponto. Elle est là, merci. Voilà, qui nous rejoint à la suite de la démission de Samuel Chapelle. Et nous allons donc l'installer, nous l'installons, comme conseiller municipal. Je précise, mais elle le dira peut-être elle-même, qu'elle est ingénieure de formation et professeur actuellement dans un collège, c'est ça? Collège et lycée. Et vous enseignez la philo? Physique-chimie. Pardon? La physique. La chimie. Rien à voir. Voilà, non, non, mais je le savais, c'est un lapsus lingué. Voilà, donc, c'est très bien. Vous savez maintenant, mais vous savez qu'un certain nombre d'ingénieurs ont été des très grands philosophes, hein, faut pas non plus, je dirais, évacuer ce problème. Bien, alors, bienvenue donc à Marie-Sophie de Ponto. Et je mets à votre approbation donc le conseil municipal du 26 septembre 2022. Madame. Monsieur le maire, ce conseil municipal ne retraçant pas les débats, l'ensemble des débats, comme pour les précédents, nous voterons contre. C'est particulièrement regrettable lorsque nous votons contre une délibération ou nous abstenons, qu'il n'y ait pas le sens de notre vote. Qu'il n'y ait pas l'explication de notre vote. Alors, madame, je prends acte de votre position. Je vous dirais simplement que je crois que vous allez avoir quelques petites surprises dans la décision du tribunal administratif qui va arriver bientôt et qui vous donne tort, notamment sur les propos que vous venez d'émettre. Cela étant, je l'enregistre. Et donc, bien évidemment, donc il y a levé la main. Combien de contre? Très bien, je vous remercie. Et au passage, je rappelle que c'est la loi que nous appliquons. Parfait. Alors maintenant, sur le point 3 en chiffres romains, compte rendu des décisions prises par votre serviteur dans un certain nombre de domaines, avez-vous des questions? Madame Singer. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous donner le... Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la numéro 146, s'il vous plaît? Alors, Serge Delerte va vous répondre. Oh non. Et là, Serge, 146. Oui, il s'agit du recours de Madame, Monsieur et Madame Langlois contre le PC de Monsieur Georges, avenue de Wagram. PC, c'est un problème de voisinage, et dans lequel, lorsqu'il y a des recours de ce type, la ville... Et bien sûr, intervient, puisque c'est un arrêté du maire. Vous pouvez nous préciser sur quoi porte le recours, s'il vous plaît? C'est subjudicé. C'est un problème de voisinage entre deux voisins et point barre. Et c'est tout. Et donc, nous n'avons pas... Je n'ai pas à débattre de cela en conseil municipal. C'est pas un débat, c'est juste une information. Madame, s'il vous plaît. Merci. Oui, monsieur le maire. Mais bien évidemment, c'est une affaire qui est subjudicée. Le tribunal tranchera et à ce moment-là, on vous donnera les événements.
Voilà. Autre, monsieur Givaninovitch. Tout à la fin, numéro 175, 176, je crois qu'elles vont ensemble, au sujet 175 et 176. Je pense qu'elles vont ensemble, les deux. Et elles traitent du tennis couvert sur l'île de la Commune. Je vais répondre. Oui, je vais répondre. Alors, la première, ça concerne des travaux pour un montant de 10 483,25. Et comme je me doutais que vous aviez posé la question, j'ai fait les photos. Donc, je vais pouvoir vous les faire passer. Il s'agit, sous le bardage, le terrain qui entoure les tennis n'est pas plan. Donc, comme on ne pouvait pas s'amuser à mettre des éléments de bardage de hauteurs différentes, on a demandé à l'entreprise SMC2 de poser une pièce métallique pour couvrir tous les vides qui pouvaient exister, parce qu'il n'était pas question de laisser l'eau entrer. Donc ça, je fais passer. Donc c'est de la tôle qui entoure à chaque fois que la terre extérieure est plus basse. Donc ça, c'est le premier montant. La pose de ces tôles, la fabrication, la mise en œuvre et la pose. Le deuxième, c'est pour faire suite à une recommandation, je ne sais pas le terme exact, de l'ancien Premier ministre, M. Castex, qui autorisait les entreprises à déposer une demande de recours quand les conditions économiques de leur marché avaient changé. Et donc SMC2 nous a adressé un mémoire faisant état des augmentations de prix du bois entre le moment où le marché a été conclu et le moment où il le réalise. Donc en dehors des problèmes de révision ou d'actualisation, ça représente à peu près 3% de leur marché. C'est uniquement le coût de la matière première. C'est ça. Et autre question, Madame Lavagne. Monsieur le maire, la numéro 148 relative... Attendez, j'y reviens parce que on est allé au bout de la piste, mais il faut revenir. 148, oui. Relative au rejet d'une demande indemnitaire préalable d'un ancien agent. Sur quoi porter la demande indemnitaire? Gino Dicky, tu réponds? Pardon? Non? C'est la 148, c'est un conflit avec une agent pour des problèmes de demande indemnitaire. Et donc, c'est en cours. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage. C'est devant le TA. Est-ce que vous allez pouvoir m'en dire plus sur la 152? La 152... Je suis pauvre. Voilà. Alors, la 152, il s'agit de raquette au fond en référé suspension. Donc, oui, il s'agit simplement d'une petite modification de sous-sol au rue Johnson, dont la préfecture n'était pas d'accord. C'est une zone PPRI bleue, mais ils ont jugé que c'était un petit peu dangereux. Donc, le dossier a été repris et refait différemment. Voilà. Oui, alors là, je dois dire que je suis assez étonné par la position du contrôle de légalité. Du coup, le requérant a retiré sa demande de permis et il est clair que maintenant on vous rend compte de cela parce qu'on avait dit au préfet qu'on n'était pas d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est assez étonnant parce que cette zone-là est à mon sens totalement hors PPRI. Hein, le 12 rue Johnson est très très haut par rapport au PPRI qui couvre le bas de la rue Johnson. C'est comme ça. Mais enfin, la personne qui avait déposé le permis l'a retiré. Voilà. Madame Kéraudrin. Merci, monsieur le maire. La numéro 161, dans laquelle je me réjouis de voir Bruit Paris installer une station de mesure pour le bruit des aéronefs qui viennent de Paris Charles de Gaulle ou Anne de Gaulle. J'ai quelques questions. Effectivement, c'est une mesure aussi qui est faite dans d'autres villes et notamment Chatou, parce qu'on sait qu'il y a des nuisances aériennes très marquées.
Le choix du lieu, là c'est avenue Berryer, vraiment dans le fond du parc. Je sais que l'une des premières personnes qui est allée voir vos services pour se plaindre de ces nuisances aériennes est située place Wagram. Pourquoi ce lieu? Pourquoi pas un second lieu? Autre question, bon. Une seule unité de mesure. Et je poursuis, je finis juste ma question. Qu'allez-vous faire des résultats, puisqu'effectivement, ils seront disponibles? Est-ce que vous allez en tirer les conséquences ou mener des actions spécifiques? Merci. Le jour où on mènera des actions spécifiques sur le bruit des avions qui passent sur la ville, Bruit Paris a choisi cet endroit volontairement. Je suis allé sur place lorsqu'ils sont venus. Sachez que les actions spécifiques, on les a faites depuis pas mal de temps. Hein, et la liste est très longue. Et donc, Bruit Paris a décidé de poser cet instrument, mais c'est pour conforter, en réalité, toute la politique qui est menée au niveau de la CNUTSA pour, justement, contrôler le survol des avions. Je dois dire que j'ai été un peu étonné que, tout d'un coup, ils arrivent comme ça. On avait déjà fait des mesures de bruit dans le parc de Maison Lafitte, c'est très simple. Lorsque, notamment la nuit, lorsqu'il y a une ambiance à 35 décibels, lorsqu'un avion passe, ça monte à 55 et il passe. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé cette année où un certain nombre de concitoyens ont trouvé qu'il y avait un peu plus d'avions, c'est tout simplement que, comme il n'y a pas eu d'avions les années précédentes, en raison justement de ce que nous appelons le Covid, eh bien, lorsque ça a repris, notamment face à l'Est, c'est-à-dire lorsqu'il fait beau, eh bien, les gens les ont plus remarqués. Mais cela étant, il n'y a pas eu, à mon avis, d'aggravation des survols. Je rappelle que depuis le Hermès de 95, nous avons mené toute une série d'actions, notamment pour que les contrôleurs aériens puissent avoir les zones survolées et ne donnent pas des autorisations pour couper court et ensuite survoler notamment des zones urbaines. Et ensuite, nous avons obtenu qu'il y ait une montée en puissance. Il reste encore un certain nombre de choses à faire, notamment sur l'atterrissage un peu plus, je dirais, subtil et doux lorsqu'ils se mettent en ligne sur Roissy. Voilà, donc tout ça se fait, et on va voir les résultats de Bruit Paris lorsque nous les aurons. Merci. Je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y a un site qui est indiqué sur le poteau où se trouve cette antenne, et chacun peut aller voir et vérifier le niveau du bruit. Et l'ingénieur que j'ai interrogé, parce que ça tournait déjà depuis 8 jours, m'a dit qu'on était largement en dessous des normes. Madame Géhin. Merci. Je constate 2 choses de votre réponse. La première, c'est que ce n'est pas vous qui avez demandé l'installation de cette station de mesure. Et la deuxième, c'est que cette nuisance, quoi que vous en disiez, ont considérablement augmenté. Et c'est indépendant de la période Covid, hein, qui n'avait pas du tout d'avion, pour habiter Maison Lafitte depuis très longtemps. Ce n'est pas uniquement du ressenti. Et les Mansoniens se plaignent énormément. Donc, ce que je veux dire... Sur la même, sur le même L21-22 que Madame Théron-Caudrenne vient de poser, je constate 2 choses. La première chose, c'est que c'est pas vous qui avez fait la demande, donc c'est l'installation de la station de mesure. Et la deuxième chose, c'est que vous, à mon avis, sous-estimez les nuisances aériennes, puisque les Mansoniens se plaignent vraiment beaucoup, et que pour habiter à Maisons-Laffitte depuis très longtemps, je constate qu'effectivement, il y a une aggravation, non seulement dans le nombre, mais aussi dans la hauteur des avions. Donc, il faut absolument pouvoir trouver une solution. Vous dites que vous avez agi depuis très longtemps. Bah, effectivement, si vous l'avez fait, probablement vrai, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc, Madame, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Donc, quelles sont les mesures que vous comptez prendre une fois que vous aurez les relevés? Madame, je trouve singulier que vous puissiez contester le fait qu'effectivement, ils ont demandé à poser cette station-là. J'ai bien sûr dit oui, j'y étais, hein, lorsqu'ils l'ont posée. Mais ce que vous dites est totalement faux, parce que en ce qui concerne le survol des avions, notamment là, on a demandé à ce que ça remonte, et on a obtenu effectivement
que les zones survolées soient survolées à une plus haute altitude, ce qui a été fait, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre d'aéronefs qui, parfois, ne respectent pas les règles. À ce moment-là, nous invitons nos concitoyens à relever quelles sont l'heure de ces aéronefs et d'intervenir auprès de la CNUTSA. Et nous avons obtenu, et à l'époque j'étais d'ailleurs député, que les contrevenants soient sanctionnés par des amendes qui sont loin d'être négligeables, puisque sur des vols, notamment New York-Paris, ça peut atteindre 50 000 euros. Alors ne dites pas, s'il vous plaît, que rien n'a été fait, nous avons agi. Et lorsque nous aurons les résultats, nous verrons ce qu'il en est. Je trouve singulier, vous qui habitez en centre-ville et qui n'entendez aucun avion, je dis bien aucun avion qui survole la ville, vous permettez ? Merci, madame. Je suis tout à fait désolé, j'habite effectivement dans un endroit où, effectivement, régulièrement, il y a des survols. Il y a des moments où nous les entendons pas parce qu'il y a un problème d'hygrométrie de l'air. Il y a d'autres moments où nous les entendons toutes les 55 minutes lorsqu'il y a le hub pour parler français. Donc ne venez pas me dire ça et je trouve que votre remarque est parfaitement perfide et dénote parfaitement votre caractère qui est loin d'être bon. Merci, madame. Bon, alors. Merci, madame. Votre avis sur mon caractère, madame. Merci, madame. Merci. Madame Kérodrin, s'il vous plaît. Oui, je m'en... Écoute, calmez-vous, Madame Géhin. Calmez-vous. Calmez-vous, Madame Géhin. Vous n'entendez aucun avion en ville. Ce que vous entendez, c'est le trafic de la... Non, mais attendez, arrêtez, s'il vous plaît. Madame Géhin, calmez-vous. Vous pouvez continuer. Alors, Madame Kérodrin, allez-y, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer de dire non, les avions. Vas-y, réponds. Mon grain de sel, puisque pendant de nombreuses années, c'est moi qui m'en suis occupé, nous avons obtenu beaucoup de choses. Ce que vous oubliez d'abord, c'est qu'il a fait meilleur temps, et comme vous le savez, lorsque lui fait beau temps, les avions passent au-dessus. Nous nous sommes battus pour réduire les couloirs, pour les rentrer plus haut, et qu'est-ce qui se passe? C'est que simplement ces amendes, si vous le permettez, moi je ne vous ai pas coupé pendant votre conversation. Pourquoi les amendes posent plus de problèmes? Parce qu'elles sont plafonnées. À partir du moment où ils ont obtenu le plein pot de leurs amendes, après ils font ce qu'ils veulent. Et si vous regardez, et vous allez voir, on fait passer un article dans le futur bulletin Vive à Maison Lafitte, et vous verrez que les axes sont déviés et ne doivent pas passer au-dessus de Maison Lafitte. Mais comme vous le savez vraisemblablement, bien évidemment, puisque vous avez été conseillère départementale, c'est une grande maison qui est dirigée et on peut que simplement répéter sans cesse tous les éléments. Nous avons obtenu, mais c'est pas pour autant gagné. Maintenant c'est passé à l'aglo, on a plus de difficultés, mais malgré tout, si à l'heure actuelle, il y a eu ces micros de poser, d'ailleurs, entre parenthèses, je vous signale qu'ils sont également valables pour ce qui est routier ou autre, c'est sur notre demande permanente, comme nous le faisons pour la SNCF, comme nous le faisons pour les avions. Mais bien évidemment, on fait en fonction de nos moyens, comme vous le savez. Merci. C'est qu'effectivement, c'est Bruy Parif qui a demandé à le poser, mais il n'en demeure pas moins que j'ai parfaitement accepté. Madame Kérodrin, s'il vous plaît. Théron Kérodrin. Je voulais juste préciser. Pardon. La municipalité a fait des efforts et quand vous étiez député maire, vous aviez obtenu le relèvement du survol, c'est certain. Mais il y a eu une dégradation à compter de fin 2017. Et ça, c'est réel. Et tout dépend effectivement du sens du vent, puisque l'avion décolle face au vent. Donc, ça dépend aussi des conditions météorologiques. Ça dépend du trafic. Effectivement, quand vous avez plus d'avions, effectivement, ils s'étendent sur la zone. Donc, on a des nuisances. Et on a aussi un phénomène que je dirais depuis quelques mois, c'est le bruit. Il y a un bruit très spécifique maintenant dans les avions. Quand ils amorcent un virage où il y a quelque chose qu'on entend dans toutes les villes qui sont survolées. Et il y a vraiment cette nuisance-là aussi qui est d'un autre ordre. Et donc, je salue l'implantation de cette unité de mesure qui, même si elle est très loin dans le parc et qu'elle ne permet pas une comparaison entre le centre-ville, on va dire le début du parc et le fond du parc, elle mérite d'exister et nous permettra de voir, effectivement, en fonction du trafic et de ces éléments-là, quelles sont les nuisances réelles. Mais effectivement, c'est un combat de tous les jours. Alors, je voudrais juste rajouter une chose, que ça soit très clair. Ce n'est pas la première fois que nous avons fait des études et des études de bruit
sur les survols des avions. Bon, il n'en demeure pas moins que ce qui a été perçu ces derniers mois, c'est la reprise du trafic, avec, heureusement, le très beau temps que nous avons eu, puisqu'il se pose face à l'Est, je le rappelle, et que maintenant, on n'a pas d'avions qui survolent, puisqu'il fait mauvais et que les avions ne se posent pas face à l'Est. Je pense qu'en tout état de cause, quand on aura les mesures, ça mettra tout le monde d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que en centre-ville, je peux vous dire, par rapport à ce que nous entendons dans le parc, le bruit le plus important, ce sont les trains et c'est aussi le trafic sur la RD 308. Voilà. Allez, je passe. Monsieur, allez-y. La numéro 166, bonsoir à tous. La question était, quelle est la fonctionnalité de ce logiciel ? C'est pour, qui est pour la police municipale, pour mieux assurer... c'est quoi ? Oui, autonomie des transmissions. Autonomie des transmissions, c'est oui. Ça. Autre question ? Monsieur Drolle. Oui, bonsoir à tous. La 149... La 149. Sur le terrain synthétique... Pour le, je pense que c'est pour le foot, oui, terrain de football. Ma question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un terrain à base de microplastiques qui sont extrêmement polluants, qui sont en fait des pneus, des vieux pneus déchiquetés et qui vont être prochainement interdits, ou est-ce que c'est une solution plus écologique à base de liège, comme ça existe de plus en plus ? Yann Cano ? Oui, on a privilégié la solution écologique, oui. Donc, effectivement, je ne sais plus si c'est du liège ou des noyaux d'olive, mais... Il y a liège ou il y a des copeaux de bois aussi. Oui, ouais, mais on a refusé le plastique. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si ce n'est pas interdit maintenant. Ça va être interdit. Oui. Bon, OK, très bien. Autre question ? Au micro, je vais passer la parole à Béatrice Vivien, qui va nous dire quelques mots de l'inauguration de la statue. Presque 50 ans après avoir été abattue, la statue de terre cuite de Napoléon Ier est de retour sur la place éponyme. Une belle et émouvante cérémonie s'est tenue le 2 décembre en présence du maire Jacques Myard, de nombreux élus et personnalités, dont Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye et président de Ville-Impériale, Philippe Trottin, maire adjoint de Rueil-Malmaison, ainsi que le lieutenant-colonel Catroux du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Les 50 musiciens de la musique de la garde républicaine ont accompagné la cérémonie par des marches, dont Austerlitz et Marengo. Érigée en 1863, la statue fut abattue en 1973. Ses restes, fragmentés, ont été gardés et entreposés par l'association syndicale du parc. Sa magnifique restauration, accomplie par Claire d'Arternisien, restauratrice du patrimoine, a exigé plusieurs mois. Les travaux ont été financés par la ville et pour une grande part par le département des Yvelines via l'agence Ingénierie dirigée par Cécile Garguel, conservateur des antiquités et objets d'art. Le retour de la statue monumentale, grâce à la volonté des élus et au soutien du conseil départemental, permet à Maison Lafitte, ville impériale, de briller d'un nouvel éclat. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à Sandrine Coutard pour les bandes électriques. Oui, bonsoir. Lors du conseil municipal de juin 2021, nous avons voté la signature d'un accord d'une étude avec le CIGEIF, donc étude qui a démarré en septembre et qui s'est concrétisée par la mise en place d'une première borne en avril. Quand je parle de mise en place, c'est véritablement installation et connexion par Enedis. Donc une première borne en avril qui était... rue de la Digue, chemin de la Digue. Puis le déploiement s'est poursuivi avec une deuxième borne rue de Seix en septembre, une troisième borne rue Guinemer, donc derrière la bibliothèque, fin septembre, et là, tout récemment, rue Mermoz, une quatrième borne.
Aujourd'hui, avec plusieurs mois d'exploitation, nous avons constaté que, pour vous donner quelques ordres de grandeur sur l'utilisation, nous avons déjà constaté qu'il y a au moins, en moyenne, une recharge par jour par point de recharge, sachant qu'une borne possède deux points de recharge, que nous avons une utilisation très intéressante de la borne rue de la Digue, avec 334 recharges depuis sa mise en fonctionnement, soit un équivalent de 50 728 km, donc estimation calcul fait par le CIGIF. La deuxième borne rue de Seix, quant à elle, peine un petit peu à trouver son rythme, seulement 95 charges pour un équivalent de 8165 km. En revanche, la borne Guinemer, qui elle a été installée plus tardivement, comptabilise 125 recharges, soit l'équivalent de plus de 10 000 km, 10 478. Et puis bon, la borne Mermoz qui a démarré il y a quelques jours, nous n'avons pas encore suffisamment de recul, mais il semblerait qu'il y ait un bon démarrage aussi. Merci. Voilà. Demandez à Yann de nous dire quelques éléments sur la luge. Attendez, avant de passer aux questions, Yann Conneau, vous voulez parler de quoi? Des bornes? Ah ben alors allez-y, monsieur Liégeois. Non, c'était juste une question par rapport aux clients ou usagers. Est-ce qu'on a une idée des personnes qui utilisent ces bornes? Non, pas à ce jour. Les statistiques que nous avons du CIGIF sont véritablement l'utilisation, l'usage, la comptabilisation des puissances tirées, mais pas le profil encore par rapport aux abonnements. Ça viendra, je pense, dans un deuxième temps, quand nous aurons une population un peu plus conséquente, un peu plus représentative. Parce qu'ils ont des cartes, donc à mon avis, ça va être traçable. Attends, on n'est pas en train de surveiller les gens, là-haut. Non, mais c'est intéressant pour... Intéressant. Le problème, Philippe, il n'est pas dans notre compétence d'aller regarder qui va se brancher sur les bornes. Je suis désolé. Il peut y avoir une étude statistique anonyme. Statistique, oui, c'est ça, oui. Et puis ensuite, on dira, mais monsieur, de quoi vous mêlez-vous? Voilà, merci. Non, je suis assez étonné de votre remarque. Madame. Non, madame Kérodrin-Théron. Voilà. Allez-y. Justement, je voulais savoir, pour la localisation de ces bornes, est-ce que c'est le CIGIF ou tout autre prestataire qui a décidé de leur localisation? Je pose cette question parce que vous indiquez qu'avenue de Seix, il y avait moins de fréquentation et il y a davantage de maisons dans ce quartier-là, donc plus pavillonnaire. Ça peut signifier plus pavillonnaire, moins de clients. C'est plutôt des clients plutôt du centre-ville ou des zones plus d'habitat collectif. Alors, pour répondre précisément à votre question quant à l'implantation de ces bornes, c'est le résultat à la fois d'une concertation avec la mairie, mais également, je dirais, d'un cabinet d'études qui est spécialisé dans ce type de prestations par rapport à la géographie, la topographie et évidemment l'implantation des populations au niveau d'une ville. Concernant la borne rue de Seix, je suis d'accord avec vous, c'est assez surprenant dans la mesure où j'avais eu une très forte demande de la part des gens du parc et j'avais même reçu une délégation des représentants. Maintenant, il faut aussi avoir conscience que le parc, ça n'est pas la ville. Nous avons reçu une opposition du parc pour installer la borne. Et donc la localisation rue de Seix, c'est tout simplement parce que c'est un terrain qui appartient à la ville. Voilà. Je confirme que j'ai été un peu étonné de la position de l'ASP, mais il y a un moment, on sait prendre nos décisions. Madame Singer. Oui, juste une petite question complémentaire. La borne de la rue de la Digue, c'est celle qui est située au niveau du camping? Non, bien avant. Elle est juste au début, en face du POP. Donc celle du camping est bien réservée aux usagers du camping, c'est ça? Tout à fait, c'est une borne privée. Là-bas. D'accord. Elle n'est pas près du camping. Si, il y en a une au camping. Il y en a à l'entrée du camping, mais c'est sur le terrain du camping. Mais d'accord. Et donc là, c'est réservé au camping, par contre. Tout à fait, c'est privé. Les réjouissances de la fin d'année, malgré tout. Alors malgré les contraintes économiques, on ne pouvait pas passer à côté de la magie de Noël. Donc effectivement, on a réduit un petit peu les éclairages pour les réserver à l'hypercentre. Mais on a maintenu pas mal d'animations, telles que ce que vous avez pu voir ce week-end, le marché de Noël, qui a eu encore un grand succès.
Vous avez pu voir pas mal d'animations, donc il y avait des poneys, des lutins, des Pères Noël. Donc là, il est bon de rappeler qu'une grande partie des animations sont financées par l'AEML. Donc l'AEML, c'est ceux qui organisent le vide-grenier. Donc c'est les bénéfices du vide-grenier qui permettent de financer une grande partie des animations. Et il y a bien sûr eu donc l'animation phare qui est la luge, qui rencontre encore cette année un succès immense. Hein. Ça ne désemplit pas, ça n'arrête pas. Les enfants sont ravis. Le chalet à côté est occupé par les associations et notamment pas mal d'associations de parents d'élèves qui vendent des gâteaux, des chocolats chauds, etc., pour leur permettre de financer des activités de fin d'année. Et encore une fois, je le redis cette année, on est très content d'avoir cette place du Maréchal Juin qui nous permet d'organiser des animations comme la piste de luge. Merci. Bien. J'ai une information brève à vous donner, qui est, à mon avis, l'étape nécessaire. Ce matin, le comité de France Gallo a approuvé la proposition de l'EPFIF sur l'achat de l'hippodrome. Je peux simplement vous dire que ça a été assez long, tout simplement parce que certains avaient des interrogations sur lesquelles je reviendrai plus tard. Mais voilà, c'est fait. Et donc, ça va prendre encore un bout de temps parce qu'il faut que les notaires actent et l'achat complet par les PFIF est prévu pour le début de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. Aux questions, madame, je ne ferai aucun commentaire davantage à ce propos. Non, non, madame, c'est inutile. Je vais passer la parole à... Non, mais attendez, on en reparlera en temps et en heure. Ce matin, la décision est positive, ils ont donné leur accord, donc on ne revient pas, je n'ouvre pas de débat à ce propos. Alors, j'en viens maintenant à la question de M. Liégeois. Madame, s'il vous plaît. Non, non, mais juste une question. Ce n'est pas une question, je ne vous répondrai pas. Merci. C'est une question quand même. Je suis désolé. Je vous ai donné une information, n'ayez crainte, le conseil municipal y reviendra. Alors, Philippe Liégeois, posez votre question, puisque vous êtes le premier dans la liste. Monsieur le maire, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2022, un incident jugé majeur par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports a eu lieu sur le site Seine-Aval du SIAP, situé à proximité de Maison Lafitte. Le SIAP n'a pas communiqué sur une fuite de biogaz alors que plus de ont été rejetés pendant environ 5 heures. L'exploitant n'a pas respecté son engagement à communiquer puisque la préfecture n'a pas été avertie de l'incident avant plusieurs jours. C'est inadmissible et cela pose un réel problème de confiance et de sécurité sanitaire pour les habitants des environs. En faisant un calcul rapide, un débit moyen de 820 m3/h de biogaz qui n'est pas anodin, comme on a pu l'entendre dans certains médias, s'est déversé aux alentours d'un digesteur pendant plus de 4 heures. Le biogaz contient un gaz, l'H2S, l'hydrogène sulfuré, qui a 0,1% dans l'air et mortel en quelques minutes. Dans les 4 tonnes de biogaz relarguées, il y avait plus de 11 kg d'H2S, soit environ 3 grammes par mètre cube, valeur 10 fois supérieure pendant cette durée au seuil maximal d'exposition admissible défini par le Code du travail. Question, est-ce que les digesteurs de même nature que celui d'où provient l'incident sont encore en service? Et est-ce que vous allez demander au SIAP de faire une réunion publique pour tenir les Mansoniens au courant? Monsieur Liégeois, il me semble que j'ai diffusé, puisque nous avons eu le comité de suivi qui aura lieu le 17 novembre, et que je diffusais toutes les informations qui nous ont été données. Il est exact qu'il y a eu un léger retard, mais attention, contrairement à ce que vous dites, c'est la DRIA qui, notamment, n'avait pas immédiatement alerté le préfet et a tardé après une visite sur les lieux. Donc, il y a eu une information de la DRIA, laquelle a tardé avant d'affirmer le préfet. Effectivement, on a marqué notre étonnement à ce propos. Je tiens à votre disposition, bien sûr, c'est le comité de suivi de l'incident qui a été
saisie et nous avons eu beaucoup d'explications. Cela ne signifie pas que tout soit parfait dans ce monde possible. Bien au contraire. Et donc, en réalité, sur ce point technique, je ne pense pas que le SIAP, qui est sous la tutelle de la préfecture, va faire une réunion publique. Ce que je peux vous dire, c'est que les fameux digesteurs dont vous parlez seront bien évidemment arrêtés et il y a d'autres méthodes qui vont être utilisées. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade aujourd'hui à ce propos. Voilà, je vous laisse, vous avez reçu ça, hein, parce que je l'ai diffusé à tout le monde et donc je crois que maintenant il faut attendre qu'elles vont être, je dirais, derrière à la fois sans doute les sanctions, parce qu'il risque d'y avoir quelques sanctions, et surtout les modalités pour continuer de mettre cette usine aux normes, qui malheureusement a un certain retard. Juste une précision, monsieur le maire, par rapport aux quatre digesteurs justement anciens qui posent problème. La question c'était, est-ce que les autres digesteurs donc de la même configuration sont encore en service? Les anciens, non. Donc ils ont été arrêtés. Oui, ils ont été arrêtés. D'accord. Ils ont été, voilà. Et donc voilà. Mais cela étant, je peux vous dire que on veille au grain parce qu'on a été tous légèrement étonnés de ce qui s'est passé. Et personnellement, heureusement, nous n'avons eu aucune plainte à ce titre. Madame Singer, vous voulez? Oui, juste un petit complément. Dans votre compte rendu, il y a une chose dont vous n'avez pas fait état, c'est la proposition qui a été faite par la mairie de Saint-Germain-en-Laye. La proposition qui a été faite par la mairie de Saint-Germain-en-Laye, son représentant en l'occurrence, M. Bassine, qui a suggéré qu'il y ait des audits réguliers qui soient faits par un organisme choisi par les associations et les élus. Écoutez, madame. Mais laissez-moi terminer. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller dans le sens de ce type de demande, parce qu'en fait, la modification législative, on sait très bien qu'elle n'interviendra pas rapidement, même si elle arrive. Et donc, il faut trouver des moyens intermédiaires pour garantir un meilleur audit en continu de ce site. Premièrement, je voudrais que les questions soient posées et qu'on ne rebondisse pas à chaque fois. Nous avons un long ordre du jour, il faut s'en tenir à l'ordre du jour. Je vais vous répondre sur ce point précis. Un audit a été donné à une entreprise franco-américaine qui est en train de mettre au point toutes les mesures et qui régulièrement rend compte au comité de suivi. Donc, donner, je dirais, ce pouvoir, parce que ça, c'est sous le contrôle de l'autorité de tutelle, à savoir la préfecture, et régulièrement, nous sommes informés, et je pense que c'est une bonne procédure. Maintenant, ce que veulent faire un certain nombre de gens via l'associatif, permettez-moi de vous dire que chacun doit... Je ne vous réponds pas davantage. Les procédures de contrôle sur cette usine sont faites par une société qui régulièrement rend compte et qui a déjà... lister tout ce qui doit être repris. Voilà, je vous remercie, madame. J'en viens, madame, s'il vous plaît. Je suis désolé, il y a un moment, il faut s'en tenir à l'ordre du jour et surtout la démagogie du comptoir, je n'aime pas ça. Alors maintenant, monsieur Jivanidovic, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, samedi 3 décembre dernier, le centre hospitalier André Mignot de Versailles a été victime d'une cyberattaque. Ordinateur bloqué, écran noir notamment, en ont été les conséquences. Ce n'est pas la première fois qu'un établissement de santé ou qu'une collectivité locale en est victime. La ville de Frontignan, par exemple, les 26 et 27 octobre, s'est vue demander une rançon et a vu l'ensemble de ses ordinateurs totalement inopérants. Et c'est la même chose dans le département de Seine-et-Marne ou dans la ville de Brunois. Il y a 6 mois, vous nous aviez fait part d'un état des lieux à ce sujet-là. Où en êtes-vous? Et enfin, comment armez-vous la ville pour garantir sa sécurité informatique? Alors, la garantie informatique et des contre les cyberattaques, comme vous le savez, la tête sur le bio, je prends l'engagement. Malheureusement, c'est plus compliqué que cela.
Donc, compte tenu des relations que j'ai avec un certain nombre de services de l'État, des spécialistes qui ont contrôlé l'ensemble de notre système, qui nous ont dit que dans l'état actuel des choses, nous étions, je dirais, capables de bloquer des cyberattaques, étant entendu cependant que, comme vous le savez, à l'avenir, on a toujours un certain nombre d'inquiétudes, notamment avec l'intelligence artificielle qui risque de nous mener beaucoup plus loin. Sachez simplement, et je ne vais pas en dévoiler davantage, que les services de l'État sont venus vérifier ce qui était notre système et quels étaient les pare-feux que nous avons mis en place. Voilà ce que je peux vous dire, et j'en dirai pas davantage, parce que, madame, la cybersécurité, c'est un processus... Non, mais est-ce que vous allez vraiment vous... Je réponds à Charles Ivaninovic, c'est inutile d'intervenir de cette manière, parce qu'on est dans un système dans lequel, si vous avez 100% de certitude, bravo. Mais moi, je n'ai pas 100% de certitude, mais j'ai mis en place un système, j'ai demandé aux services de l'État d'élaborer tout cela de telle manière que nous puissions échapper à ce qui s'est passé, par exemple, à Houille ou ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Je voudrais quand même un peu, je dirais, de responsabilité dans le débat que nous menons, qui est tout à fait sérieux. François Dreul, c'est à vous. Oui, monsieur le maire, tous les Mancheniens le constatent, il est de plus en plus difficile de consulter un médecin à Maison Lafitte. Avec les nombreux départs à la retraite de généralistes l'année prochaine et l'arrivée massive de nouveaux Mancheniens dans les nombreux immeubles en construction, la situation va encore nettement se détériorer. Une maison de santé pluridisciplinaire devrait déjà exister depuis longtemps, par exemple. Alors, ma question est simple. Prévoyez-vous des actions rapides pour attirer les médecins ou est-ce qu'on laisse la situation se dégrader? En matière de dégrader, je suis désolé, mais il y a un moment, il faut élever le débat, pas simplement au niveau du conseil de Maison Lafitte. Merci. Alors, Philippe Bouvier va vous répondre. Pardon? Alors, oui, mais non, mais attends, ça, c'est le problème de faire venir des médecins. Donc, vas-y. Okay. Très bien. Donc, je répondrai effectivement à la question de M. Dreuil, qui est assez exceptionnelle, je dirais, en duplicité, provocation et mauvaise foi. Donc, je dirais que là, en même temps, ça montre aux Mancheniens une attitude qui me semble purement factuelle et objective, donc comme je vous l'indiquais. Premier point, donc, tous les Mancheniens le constatent, il est dur de consulter un médecin. Ben oui, effectivement, c'est dur, mais pas seulement à Maison Lafitte. Vous savez que le gouvernement vient de s'en rendre compte. C'est devenu l'objet d'un des thèmes du comité national de refondation souhaité par le président de la République. Parce que les gouvernements que vous soutenez depuis 10 ans n'ont absolument rien vu venir. Et que je regrette, ce n'est pas le maire de Maison Lafitte qui s'occupe du cursus médical, ce n'est pas lui qui s'occupe du numerus clausus. Depuis 10 ans, les syndicats de médecins n'ont pas été entendus, les professionnels de santé non plus. Et on va dans le mur et le gouvernement réagit très tardivement. Donc effectivement, vous avez raison, les Mancheniens le constatent, comme tous les Français actuellement. Lisez tous les journaux, vous le verrez partout sur toute la France. Donc ce n'est pas la peine d'insister sur ça, c'est un problème national à la base. Il faut quand même le rappeler. Le deuxième point, c'est que vous en profitez pour une petite pique sur les nombreux immeubles en construction. Bon, je vous rappellerai simplement que vous soutenez un gouvernement qui nous met une amende de 800 000 euros par an parce qu'on ne construit pas assez. Pourtant, vous soutenez le gouvernement. Donc je comprends mal à nouveau cette position contradictoire. Et votre question, attirer les médecins et prévoir des actions rapides, vous étiez au conseil municipal le 26 septembre, vous avez donc parfaitement entendu les propos dans les grandes lignes que j'ai indiquées sur le projet du parking du marché, sur le fait qu'on prévoit donc un pôle médical avec notamment les urgences de 20h à 22h sans rendez-vous 6 jours sur 7, par exemple, et d'autres points, société extrêmement sérieuse, et que nous privilégions une solution, effectivement, qui est de passer par un professionnel qui pourra, par les mutualisations qu'il assure, garantir beaucoup mieux que les centres qui sont gérés par les municipalités et qui, le plus souvent, et vous le savez aussi, même si à une époque vous demandiez pourquoi on n'en faisait pas, et il y a beaucoup de professions paramédicales dedans et pas médicales.
il y en a très peu, ou alors ils partent au bout de 2 ans. Donc là, avec une société qui en prend la responsabilité, qui l'assume, nous essayons de jouer au maximum dans l'intérêt de ce que recherchent les Mansoniens, qui, pour le coup, vivent effectivement une situation qu'on connaît tous, nous aussi, et que connaissent tous les Français actuellement, et certains, d'ailleurs, encore pire encore, dans certaines zones désertiques, comme le disait le président de la République, d'ailleurs, dans une déclaration récente. Alors, Serge, est-ce que tu peux nous donner quelques indications, notamment sur le nombre de locaux que nous avons imposés pour justement accueillir des médecins? Ben, il y a par exemple Adèle, sur la résidence Adèle, il n'arrive pas à le remplir pour l'instant. Il avait 3 infirmières et puis elles ont démissionné de la chose. Donc on a pratiquement rien. C'est 700 et quelques mètres de 700 et quelques mètres réservés au personnel médical pour l'instant sont vides. Et on en a d'autres projets où les médecins doivent venir. Quelques-uns ont fait des options, mais s'il n'y avait pas de recours, ils auraient déjà été construits. Bien. Alors. Donc pour 2023, amélioration. S'il vous plaît, on vous a répondu. Oui. Merci. J'en viens maintenant. Les monseigneurs ont compris. Monsieur Drôle, faites pas le drôle. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à Anne Lavagne. Et à Ljubilović qui va poser la même question. Je crois qu'il faut redire un certain nombre de choses. Donc, Anne, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur le maire, le lundi 26 septembre dernier, lors du dernier conseil municipal, des annonces ont été faites, notamment par Monsieur Bouvier, d'un projet pour le parking du marché avec une maison de santé, comme il en est évoqué. Ce projet était présenté comme quasi finalisé. Or, nous n'avons rien à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Quand est-ce que le débat aura lieu en conseil municipal? Quand est-ce que le projet va être lancé? Le terrain sera-t-il vendu? Quel sera le montage financier? Et quelles mesures allez-vous prendre pour informer et prévoir des mesures d'accompagnement pour que l'activité du marché ne soit pas impactée? Nicolas Ljubilović, posez votre question parce que c'est le même thème. Oui, on va foncièrement répéter les mêmes inquiétudes, monsieur le maire. Et la question est très simple. Quand est-ce que la municipalité peut-elle informer sur l'avancement du projet concernant le parking du marché? C'est vrai qu'il a été évoqué oralement en septembre. On est en retard par rapport au planning qui était publié sur le site. Aujourd'hui, on nous promettait un passage en conseil municipal bientôt. Et il n'est toujours pas à l'ordre du jour du conseil. Les commerçants ne semblent pas avoir plus d'informations. Ceux qui ont entendu parler du projet peuvent avoir une certaine inquiétude liée à l'incertitude qui est présente, pas forcément sur le projet, mais juste l'incertitude de savoir quand est-ce qu'on y est. Certains ont vu l'arrêté concernant les sondages géotechniques et ont pensé que les travaux allaient commencer de manière imminente. En effet, sans parking pendant plusieurs années, ils s'interrogent sur la baisse potentielle de leur clientèle et donc la viabilité de leur entreprise. Ce sentiment d'incertitude est présent aussi chez les Mansoniens. Nous avons tous bien compris, grâce à l'intervention de M. Bouvier, notamment dans le courrier des Yvelines, que les impliqués n'étaient pas quelque chose d'efficace. Néanmoins, nous méritons tous d'avoir des informations plus officielles que par voie de presse. Quel est donc le planning que vous prévoyez et quand est-ce que nous aurons les informations? Alors, Philippe Bouvier. Bien, merci pour vos questions qui vont permettre effectivement de faire un petit point. Je vais me forcer de répondre à l'ensemble des sujets évoqués. Donc, en premier lieu, sur le fait, un tout petit point quand même, par rapport à l'accusation antidémocratique de ma part, qui n'est pas une accusation ad hominem, hein, donc je veux dire, je n'apprends pas du tout personnellement. Hein. Je pense qu'on n'a pas été élu sur une modalité de décision de participation citoyenne. On a été élu sur un mandat, effectivement, et ensuite, dans 4 ans, il y aura aussi des réponses par rapport à cela. Donc je dirais que nous estimons qu'il y a sur ce dossier une grande urgence, du fait notamment de l'urgence de trouver ce pôle médical en action le plus vite possible. Alors pourquoi effectivement ce petit retard? Pour une raison très simple, c'est que ce sont les sondages géotechniques que vous évoquez qui ont montré quelques problèmes. Donc il a fallu des sondages géotechniques supérieurs et plus aboutis, qui heureusement sont meilleurs pour les suivants que les précédents. C'est quelque chose qui retarde parce que nos débats avec l'opérateur sont un débat, vous l'imaginez bien, aussi financier, bien sûr. Et donc, il est évident que ça nous a un tout petit peu retardé. Oui, ça fait partie de ces choses dans la vie d'un projet qu'on ne maîtrise pas.
Ceci dit, c'est un tout petit retard. Le permis est actuellement en cours de dépôt. Donc, il n'y a pas évidemment de construction immédiate. Il faut que le permis soit obtenu il y a un certain temps. Donc, il n'y a pas de commencement de travaux, bien évidemment. Hein. Alors, il y a deux choses. Au niveau, je dirais, de la participation. Il y a d'abord le fait de tenir compte éventuellement d'un certain nombre de points qui sont évoqués facilement. Moi, j'estime que le fait de parler à une opposition, comme dans le cas de M. Dreuil, qui n'écoute pas nécessairement ce que l'on dit dans un conseil municipal, mais Anne Lavagne a parfaitement entendu. Donc, que également une association politisée, par exemple, ben, moi, je préfère qu'on aille vite. En même temps, on écoute quand même tout le monde, y compris d'ailleurs cette association. Parce que même s'il y a des éléments politisés, il y a aussi des éléments très justes dans ce qu'ils disent, ou des éléments en tout cas qui montrent leurs préoccupations. Donc on peut aussi en tenir compte. Dans le projet, on n'a pas prévu de construire au maximum. On aurait pu faire un étage de plus. On aurait pu aussi mettre 800 mètres carrés de plus en surface au sol. On a préféré libérer un espace pour en mettre un espace vert avec des arbres hautes tiges et au bout de l'espace, des jeux pour enfants. Alors évidemment, ça pourra déplaire aux adeptes d'Olivier Klein et sur sa volonté de densifier au maximum les centres-villes. Ça, c'est vrai, je comprendrai l'opposition de certains membres de notre opposition. Mais si vous voulez, c'est ça, donc au niveau de l'écoute que l'on a pour favoriser l'implication de ce projet. Il y a par exemple, on s'est mis à la hauteur du bâtiment, l'ex-bâtiment de Franco-Suisse, parce que ça nous semblait régner, ça nous semblait pour les habitants du quartier plus satisfaisant. Cet espace vert qui sera ouvert au public, les jeux pour enfants qui seront loin de la route, le parking qu'on prévoit, et là je passe au côté commerçant, un parking qui sera propriété de la ville, l'opération sera équilibrée, vendue effectivement à un opérateur, je vous l'ai décrit, le contenu, vendue donc à un opérateur, et le parking restera propriété de la ville. Donc ça veut dire qu'on aura toujours la maîtrise de ce parking, ça veut dire aussi qu'il y aura bien évidemment des gratuités les jours de marché, ça veut dire aussi qu'il y aura un nombre de places pour le marché équivalent au nombre de places actuelles sur le parking, qu'il y aura pour les commerçants du marché une vingtaine, 20 ou 25 places, le nombre de places en tout cas qu'il y a le samedi nécessaire sur les camionnettes avec une hauteur supérieure, donc ils trouveront à ce moment-là évidemment un avantage. Et dans la période intermédiaire, vous allez me dire, bien évidemment, qui est extrêmement importante, qu'on va essayer de réduire, puisque le parking étant fini en premier, moi j'ai demandé à l'entreprise, dès qu'elle sera désignée, effectivement, de faire des projections pour essayer d'ouvrir un petit peu avant le parking, dans des conditions de sécurité, évidemment, qui doivent être totales, bien sûr. Et donc, contrairement à ce qui est indiqué, on a commencé l'information. Avec Yann Queneau, on a rencontré Patrice Dupont, qui est le directeur général de Lombard et Guérin, qui gère le marché et qui est en contact avec l'ensemble des commerçants. Nous avons eu un échange extrêmement fructueux avec lui. Depuis, il y a eu, et si vous allez sur le marché, vous avez pu le constater, il y a eu un document qu'on remplit les personnes qui allaient sur le marché pour qu'on voit exactement qui vient, d'où ils viennent, les différents besoins. On a beaucoup d'idées, déjà Yann Queneau et moi, sur des animations qu'on pourra faire les jours de marché pour compenser un peu. Bien sûr, des places gratuites autour. Monsieur Dupont évoquait aussi d'autres pistes et allait interroger les commerçants. Nous allons rencontrer les commerçants également début premier trimestre. Je suis un petit peu long, mais je veux aussi, je veux pas de reproche, au moins de ne pas vous exprimer, disons, ce que je sais à ce niveau. Donc voilà, c'est ça que je vais pouvoir vous dire. Et à ce stade, et bien évidemment, vous tenir au courant. Et bien évidemment, on passera un conseil municipal, a priori le premier, ce sera au premier conseil municipal. Ça aurait pu être celui-ci si tout avait été bien. Ce sera le prochain, c'est tout. Mais tout va bien, tout est normal. Le projet sera équilibré. Et comme je vous dis, le fait de garder le parking fait que nous serons maîtres de notre destin pour le parking. Alors, je voudrais juste ajouter une chose. Merci, Philippe. C'est qu'en tout état de cause, compte tenu de ce qui s'est passé et ce qui passe actuellement, et nous allons en parler dans la suite de l'agenda, c'est que, je dirais, aujourd'hui, on était accaparé par un certain nombre de difficultés, non pas de difficultés du projet, mais de difficultés économiques qui font qu'on a consacré beaucoup de temps à d'autres sujets. Hein, je voudrais quand même le rappeler, c'est que c'est loin d'être facile actuellement. Voilà, merci. J'en reviens maintenant à Madame Géhin, qui va... Oui, Monsieur Nicolas, allez-y. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que Monsieur Bouvier vient de dire. Juste, est-ce qu'il serait possible deux choses? D'un côté, nous préciser quelles étaient les anomalies qui ont été relevées lors du premier sondage géotechnique, pour savoir pourquoi on en a eu besoin d'un second. Bon, et le deuxième, par rapport à la réponse
précédente, où on voit qu'au niveau de la résidence Adel, on a des difficultés de remplissage de personnel. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous assurer que sur ce projet-ci, finalement, on n'aura pas ces mêmes difficultés? Juste vous dire qu'il y aura au prochain conseil municipal, on va prévoir une information plus grande sur la société en question et vous l'expliquer, donc pas ce soir. Et par contre, sur le sol, c'est très facile. C'était de la pierre dure, si vous voulez, qui aurait nécessité des coûts beaucoup plus importants. Et les sondages complémentaires qui ont été faits ont montré que, fort heureusement, c'était une pierre localisée. Voilà, c'est simplement ça. Et en tout état de cause, on est parti sur 2 parkings et pas 3. Voilà, ça, c'est important, justement, pour... voilà. Alors maintenant, deux niveaux, oui, deux niveaux. Madame Géhin, allez-y, posez votre question. Monsieur le maire, la ville subit visiblement des difficultés de recrutement. 18 offres d'emploi sont actuellement sur le site. On note par ailleurs un turnover important. Une étude de 2022 sur la fonction publique territoriale constate que 39% des collectivités disent éprouver des difficultés à attirer des candidats, soit 61% qui n'en rencontrent pas. Les villes très importantes et les villes de moins de 500 habitants sont les plus concernés. Si la ville n'attire pas les candidats, c'est peut-être dû aux conditions de travail. Rémunération trop basse ou progression de carrière non satisfaisante, ou manque de reconnaissance ou mal-être au travail. J'ai entendu pendant des années dire qu'il était impératif de contraindre la masse salariale. Un mot que j'aime pas trop. Mais la pression qui pèse sur les agents, surtout dans les services où il manque des personnes, des agents qui veulent malgré tout, malgré cela, remplir leurs fonctions au mieux, est grande. Envisagez-vous une action pour remédier à cette situation? Ginone, qui va vous répondre, madame? Oui, alors, la question de la fonction publique territoriale, d'abord, c'est une question très générale. Le cas de Maison Lafitte est un exemple parmi d'autres, j'y reviendrai. Déjà, le cadre général, c'est indispensable. Premièrement, vous avez un affaiblissement du nombre de candidats dans les concours de la fonction publique territoriale. C'est un fait. Deuxièmement, et j'ai présidé pendant des années des concours administratifs, tous les postes qui sont mis en concurrence parmi les candidats ne sont pas pris. Parce qu'on constate parmi des candidats qui sont quand même présents et certains abandonnent et qui subissent toutes les épreuves, vous avez un niveau insuffisant. Bref, un nombre de candidats insuffisant. Et puis troisièmement, il y a effectivement une crise de l'attrait. Le mois dernier, le président du Sénat disait, devant quelques élus, que lors de l'entretien qu'il avait eu avec le président de la République, entre autres, il avait abordé le problème du recrutement dans les collectivités territoriales en disant « Monsieur le Président, vous demandez beaucoup aux collectivités territoriales, mais sachez qu'il y a des postes vacants dans les collectivités territoriales, disait le président du Sénat, jusqu'à 10-15%. » En ce qui concerne alors Maison Lafitte, une fois qu'on a vu le cadre général. En ce qui concerne le cadre général, Maison Lafitte, vous avez vu effectivement les 18 postes. Nous avons actuellement un pourcentage qui est inférieur à 4% de postes vacants. Donc on est loin des 10 ou des 15% dont parlait le président du Sénat. Deuxièmement, nous avons, à compter du 1er janvier qui vient, un certain nombre de candidats qui vont être nommés, des gens qui sont rentrés et qui vont rentrer en fonction. J'ai signé encore ce matin des échanges de lettres entre différentes collectivités territoriales. Troisièmement, sachez que nous sommes d'une certaine exigence, nous ne recrutons pas pour recruter,
mais nous avons quelquefois 5-6 candidats, mais nous attendons encore, comme je disais quelquefois à Monsieur Bibet, trouvez-moi l'oiseau rare, parce que notre but, c'est quand même la continuité du service public. J'ajoute qu'en ce moment, on est dans les notations. Vous savez que le système des notations a changé, ce n'est plus des notations numériques, mais ce sont des entretiens, et à l'issue de l'entretien, chacun exprime, c'est-à-dire la personne notée exprime ce qu'elle attend, et puis la hiérarchie répond. Moi, je constate que 9 fois sur 10, vous avez des fonctionnaires en poste à Maison Lafitte qui n'ont que des démarches très positives. J'ajoute que nous venons d'assister, c'était jeudi dernier, aux élections professionnelles. Et à Maison Lafitte, c'est un constat, hein, ce n'est pas du tout une critique, c'est l'indépendance de chacun. Vous aviez une liste pour les représentants du personnel, pour le comité technique, et puis la participation a été de 25%, ce qui signifie effectivement que nos agents font confiance à l'autorité territoriale, puisque tout ça s'est déroulé vraiment dans une très belle harmonie. J'ajoute aussi, je suis un petit peu long, mais nous avons réfléchi aux arguments que vous mettez en avant. Le comité technique se déroule parfaitement, surtout depuis 2-3 ans, puisqu'il est préparé avant la réunion, les représentants du personnel peuvent être reçus ou échangent par message électronique avec l'administration et avec moi-même, et un certain nombre de problèmes ont été aplanis. J'ajoute aussi que, bien sûr, nous avons, dans un certain nombre de domaines, c'est toujours les mêmes données, c'est pour l'ensemble de la France, l'animation, la petite enfance et la police municipale, des difficultés de recrutement. Et encore, à Maison Lafitte, nous n'avons pas à nous plaindre, puisque les 9 postes que vous aviez créés avec la multiplication de la visioprotection, les 9 postes, la police municipale, ont été recrutés. Et actuellement, les agents sont en place, ce qui est un petit peu exceptionnel. Et puis, je terminerai en saluant, alors votre question me permet de le faire, l'initiative notamment de la direction générale qui a permis à nos agents de profiter de la pause 12h-14h pour faire une pause détente sport à la volonté des agents. Tout ça pour vous donner un cadre. Conclusion, je pense que par rapport à la situation générale, nous sommes dans une bonne situation et nous avons encore des sollicitations de recrutement. Voilà, merci, madame, Gino. Ce que je voulais vous dire. Alors, Philippe veut ajouter un point. Philippe Bouvier. Oui, mais je voudrais juste dire un mot donc, sur cette question qui aboutit à une très forte critique complètement anormale et à mon avis injuste de la gestion de nos services. C'est simplement sur l'étude qui est citée, c'est l'étude Randstad. J'ai été regardé, donc déjà l'étude de 2022, elle ne dit pas du tout qu'il y a 39% des collectivités qui disent éprouver des difficultés à attirer des candidats. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est facile, c'est fait en 2 secondes, vous pouvez tous le faire sur vos iPhones. C'est l'étude de 2021 qui dit 39%, l'étude de 2022 dit 60%. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. C'est quand même faux, hein, quand même, mais ce n'est pas le plus grave. C'est une étude administrée en ligne par la Gazette des communes. Il y a eu 568 réponses exploitées, dont 220 au niveau des conseils départementaux, régionaux et agglo. Ça fait donc 348 réponses de communes, parfois par des élus, parfois par des services, RH, DGH, DGS, ça dépend. Et donc, ça veut dire que, pour critiquer notre ville, sur 348 réponses de communes sur 36 000, c'est-à-dire sur un panel où il n'y a pas du tout la moindre estimation de probabilité mathématique comme dans les sondages, où il y a moins de 1% des communes. Voilà, c'est simplement ça que je voulais peser. Ça montre quand même que vous ne basiez pas sur quelque chose de très sérieux. Bien. Pour votre phrase. Merci. Je passe à la question suivante. Non. Je suis désolé, madame. Je suis désolé, madame Géin.
On passe. Je passe la parole maintenant à Tania Günther. Vous avez la parole. Inutile de soliloquer. Madame Géhin, la règle, c'est qu'on... Eh bien, parlez, soliloquez. Madame Günther, vous avez la parole. Je suis désolé. Madame Géhin, c'est pas comme ça qu'on conduit les questions. On vous a répondu, vous avez posé votre question, dont acte. Madame Tania, posez votre question, s'il vous plaît. Posez votre question. Je suis désolé. Cette étude a été parue en 2022, c'est la vérité, c'est l'état 2021. Oui, alors écoutez, on vous a répondu, ce n'est pas la peine d'insister. Madame Günther, vous posez votre question, sinon je passe à une autre question. C'est à vous, s'il vous plaît, madame. Posez votre question, madame Günther. Merci. Ce qui est incroyable, c'est vos méthodes, madame. Ça, je vous prie de vous... Mais madame, on vous a répondu. On vous a répondu. Madame Tania Günther, posez votre question. Non, on ne débat pas de cette manière. Merci. Madame Géhin, vous avez été pris en flagrant délit. Ce n'est pas la peine d'assister. Merci. Madame Günther, vous avez la parole. Monsieur le maire, bonsoir. C'est vrai qu'un échange, un minimum d'échange serait quand même souhaitable au conseil municipal. C'est pas des échanges, c'est des polémiques. Allez-y, posez votre question. Monsieur le maire, la zone pavillonnaire et le centre-ville sont devenus des secteurs de forte densification et de minéralisation. Plusieurs chantiers sont dans les starting blocks. Pourriez-vous, d'une part, nous donner un échéancier pour les trois chantiers suivants ? L'OAP numéro 1, inscrit dans le PLU, qui se situe entre l'avenue de Saint-Germain et la rue du Maréchal Foch. L'avenue du Général de Gaulle, entre la rue d'Alsace et le rond-point Yankelevici. Et le garage Citroën. Et d'autre part, nous dire si vous avez prévu un plan de communication aux riverains et aux commerçants concernés. Merci. Serge Godert va vous répondre. Oui, avec plaisir. Bon, concernant l'OAP numéro 1, rien à vous dire de plus que nous sommes en cours de remembrement des espaces, comme on vous l'a toujours dit. C'est une OAP, on fait ça à faire à mesure que les gens s'en vont, on essaie de racheter leurs biens. Concernant l'avenue du Général de Gaulle et rue d'Alsace, je suppose que vous parlez du 25 avenue du Général de Gaulle. Là, pas grand-chose non plus à vous dire, si ce n'est qu'il y a un recours qui est au Conseil d'État. Puis enfin, le garage Citroën, le PC est en cours, il a débuté, il devrait être mis au plus tard début de l'année et les travaux mis en route vraisemblablement à l'été ou au pire à la rentrée. Voilà. Et concernant donc l'information, je vous rappelle que à part l'OAP, tout le reste ce sont des propriétés privées, bien évidemment. On sollicite, et à chaque fois que les architectes ou promoteurs viennent nous voir, de voir le voisinage. Mais ce n'est pas à nous de le faire, bien évidemment. Et ma question, pardon, allez-y. Monsieur le maire, alors que vous allez nous demander de nouveau de voter pour approuver le principe d'une gestion du CHML par DSP, je m'étonne de l'inaction de la municipalité face aux problèmes constatés par les usagers de ce lieu. Un sixième de la carrière est plongé dans l'obscurité dès la nuit tombée. En cause, un mât d'éclairage défectueux. Aux mêmes horaires, en raison de l'instabilité du compteur général d'électricité, la carrière et le manège peuvent se retrouver subitement dans le noir. Cela peut arriver n'importe quand, par exemple en plein parcours d'obstacles des chevaux et cavaliers. Certains box ne disposent pas d'éclairage, obligeant des cavaliers à préparer leur monture à la lampe frontale ou à la lumière de leur téléphone. L'espace extérieur devant les bureaux, le clubhouse et les toilettes n'est pas éclairé. Sur la partie des box orientées au sud, il y a des infiltrations dans la toiture, pouvant occasionner des chutes de plâtre. Ça a déjà été le cas sur un cheval. Enfin, en cas de pluie, de grandes mares se forment au sol du manège. L'état de la toiture semble en être la cause. Alors, je vous ai entendu récemment répéter que vous n'accepterez jamais aucune concession à la sécurité. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais vous demander, face aux risques qu'entraînent les problèmes cités, qu'attendez-vous pour faire ou faire faire les réparations nécessaires ? Alors,
Véronique de Balanda va vous répondre. J'ai qu'une question. Vous mentez au CHML? Non. Non? Mais je vous ai parlé des témoignages des usagers. Ah, d'accord. Alors, méfiez-vous des témoignages rapportés. Non, j'ai pas besoin de m'en méfier. Répondre, madame. Allez. Bonsoir, madame Singer. J'ai bien pris note des problèmes que vous évoquez. Donc, l'éclairage de la carrière est réparé. Les éclairages dans les box sont réparés aussi. Chaque box est maintenant équipé d'une ampoule. Effectivement, il y avait des ampoules défectueuses, vous avez raison. Le compteur électrique a été changé pour permettre une plus grosse capacité. C'est vrai qu'au moment où tous les appartements sont en fonctionnement et le club fonctionne au maximum, il y avait à l'époque oui, des coupures de courant. Ce n'est plus le cas avec le nouveau compteur qui a été installé. Les infiltrations de toiture dans ce bâtiment, il y en a, en effet. Bon, s'il y a pas, on a l'impression qu'il y a des grosses plaques de plâtre qui sont tombées sur un cheval. Non, il y a du plâtre qui s'est effrité, en effet, mais qui n'a pas mis en danger du tout la vie du cheval. Quant au manège, il est en effet très vétuste. On a fait faire une étude pour le reconstruire. Il y en a pour entre 800 000 et 1 million d'euros. La toiture, je suis allée voir, il y a 1 mètre carré de marque, comme vous dites, donc il y a une flaque d'1 mètre carré à peu près sous l'endroit où la plaque a été s'est envolée. On est bien conscient de la vétusté du lieu. Je vous rappelle juste pour information qu'il y a entre 5 et 6 ans, il y a plus d'1 million d'euros de travaux qui ont été faits sur la partie qui est en face, donc face à la tribune. Il est clair qu'il faut envisager des travaux plus importants sur le reste du bâtiment. Nous en avons bien conscience. On fait ce qu'on peut pour l'instant. Il y a des problèmes de budget, mais on a conscience que certaines parties du club sont vétustes. Oui, en effet, quant à l'éclairage, il y a des interrupteurs. Donc le club house, les toilettes, il suffit de rentrer et d'appuyer sur l'interrupteur pour que ça s'allume. Ils ne peuvent pas laisser en permanence, vu les économies d'énergie nécessaires, les lumières allumées. Oui, c'est des endroits. Je voulais ajouter juste une chose, madame. C'est que nous avons refait tous les appartements en face il y a 3-4 ans. Hein, et les box. Donc, c'était fait. Pour ce qui est du manège, il est vrai qu'il va falloir le refaire à un terme. Mais compte tenu, justement, je dirais, de ce qui se passe actuellement dans notre pays, eh bien, un pari, malheureusement, ne se fait pas en un jour. Mais nous en sommes parfaitement conscients. Merci. Votre question. Monsieur le maire, il y a quelques mois, les habitants du parc criaient leur indignation face à l'abattage d'un chêne centenaire qui était situé dans une propriété privée du parc. Ne vous en déplaise, les arbres ne se résument pas à de la verdure, et là je vous cite en parlant de verdure, ils forment le socle de notre patrimoine naturel auquel nous sommes attachés. La municipalité se lance, et vous le savez, dans la rédaction d'une charte de l'arbre, dans le but de protéger ces arbres qui ne le sont pas aujourd'hui dans notre ville, à défaut d'être plantés sur l'espace public. Il y a pourtant une incohérence manifeste entre le discours et les actes de la municipalité. Comment convaincre les habitants de la nécessité de protéger les arbres si la mairie ne montre pas l'exemple? Photo à l'appui que je vous ai transmise juste en page 2 de ma question, le chantier de la future salle Malesherbes nous expose un véritable massacre à la tronçonneuse. Je vous parle des arbres. Pourquoi les arbres de cette parcelle ont-ils été abattus par la ville? Ces arbres étaient-ils malades? Ont-ils fait l'objet d'un diagnostic phytosanitaire préalable? Et même si aujourd'hui la perte est irrémédiable, comment comptez-vous la compenser au plan écologique et même d'un point de vue esthétique? Merci. Merci, monsieur Kopelinski va vous répondre. Alors, pour commencer d'abord, il y a 3 projets qui ont été retenus pour faire la nouvelle salle Malesherbes avec le conservatoire. Les 3 projets, compte tenu de l'ampleur de la salle de 500 places et du conservatoire, nécessitait l'abattage d'arbres. L'étude phytosanitaire a été faite sur certains arbres. Personnellement, cet été, j'ai tout de suite alerté notre responsable des espaces verts parce qu'il y a l'arbre situé devant l'entrée de la salle Malesherbes me semblait en mauvais état. Et effectivement, il n'a pas produit de feuilles, il était en train de mourir. Donc, le permis de construire a autorisé l'abattage de 13 arbres à grand développement
et 15 arbres de moyen développement, soit un total de 28 arbres. Mais dans le même permis de construire, le chapitre sur les arbres plantés prévoit 13 grands arbres et 15 moyens pour un total de 28 arbres replantés sur la parcelle. De quoi s'agit-il ? Des arbres de grand développement, 3 Esculus carnera 20-25, 4 Quercus robur fastigiata 18-20, 3 Pinus nigra 18-20, 3 Liriodendron tulipifera fastigiata 18-20. Je suis précis, hein. Ah ouais, mais j'ai pas tenté le latin, c'était trop mauvais. Des arbres de moyen développement, 3 liquidambars Strita siflua, Splendeur Silhouette 20-25, 8 Prunus avium, Plena 18-20, 3 Pariota persica 18-20. J'ajoute autre chose. Dans le lot VRD, espace vert, les espaces verts représentent pratiquement 50% du marché. On a repassé en commission la désignation de l'entreprise et le choix a été fait entre les 5 candidats sur l'entreprise qui n'a pas remis le meilleur prix, mais celle qui avait fait le meilleur mémoire technique et qui était associée à une véritable entreprise d'espace vert. Et non seulement sur une terrasse, on n'a pas fait de l'espace végétalisé, mais on a fait une terrasse plantée avec des arbres. Donc, dire que nous intéressons pas aux arbres, c'est faux. Par contre, évidemment, on a voulu faire une salle de 500 places. Si on avait voulu faire une salle de 50 places, on n'aurait pas abattu autant d'arbres. Voilà. Il faut ajouter une chose, c'est qu'il y a 2-3 ans, les arbres qui étaient là, on a failli avoir un drame parce que des branches ont cassé et ces arbres étaient en très mauvais état. Et je trouve absolument incroyable, madame, que vous puissiez, par votre question, joindre ça, comme si pour construire la salle qui est nécessaire et notamment le conservatoire, effectivement, il faut passer par là. On vous a répondu, je passe. Parce que des arbres, non, madame, on ne va pas, on va pas épiloguer. J'ai été scandalisé par votre question. Je vous dis comme je pense. Elle est... Merci, merci. Je passe maintenant à l'ordre du jour suivant, où je vous souhaiterais que nous désignions madame Anne-Sophie de Ponto dans la commission des finances. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Vous êtes contre ? Monsieur le maire, sur ce point 5 et sur ce point 6, nous ne participons pas au vote. Dont acte. Merci. C'est très simple. Alors, donc, sur le point 5, Madame de Ponto, suite à la démission de Samuel Charpa-Garcia, à la commission des finances, qui est contre ? Personne. Je vous remercie. Point 6, désignation à la Caisse des écoles, toujours Madame de Ponto, pas d'opposition, merci. Madame. Tu pars ? Si, ça y est. Mais oui, il faudrait que. Alors, je vais passer au point 7, en chiffres romains, que Philippe Bouvier va vous expliciter. Donc je propose en fait de faire le point 7 et le point 8 en même temps. Donc voilà, donc c'est une décision modificative, donc la deuxième de cette année. Et celle-ci concerne strictement une subvention donc à une personne de droit privé. C'est 100 000 euros pour le versement d'une subvention à la Société des courses hippiques de Maison Lafitte. Et donc, pour démarrer son activité. Donc ça, c'est la décision modificative, c'est le point 7, avec, comme d'habitude, les jeux, évidemment, que vous connaissez entre budget de fonctionnement et budget d'investissement avec les répartitions comptables, sachant qu'on ajuste, bien sûr, sur l'autofinancement et sur l'enveloppe prévisionnelle des grands projets. Voilà. Donc, le point 8 détaille un petit peu plus les éléments. Donc, c'est dans le cadre de l'objectif de la reprise des courses à Maison Lafitte, qui est un objectif affirmé de la commune. Et donc, pour assurer la reprise des courses, elle doit donc recruter du personnel et un directeur de site. Et donc, eu égard à cet intérêt général pour la ville, nous souhaitons lui attribuer une subvention de 100 000 euros, point que nous vous demandons donc d'accepter au niveau du point 8 et d'accepter aussi la décision modificative, bien sûr, au point 7, qui ont donc le même objet. Voilà, merci. J'ouvre la discussion. Madame Lavagne.
Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Nous allons être plusieurs du groupe à prendre la parole pour aborder ce sujet très important pour le devenir de Maison Lafitte et pour nos finances. Aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Plus tard, sera combien? Et le souci, je vais commencer par l'angle juridique. Merci pour tous les documents que vous avez bien voulu nous transmettre, donc, notamment les statuts de cette association loi 1901, qui doivent être conformes donc, à l'arrêté du 3 décembre 2018. Et cet arrêté du 3 décembre 2018, c'est pour les statuts types d'une société de course de chevaux. Et une société de chevaux de course, elle a normalement durée illimitée, sauf, il y a une hypothèse, et hélas pour Maison Lafitte, il me semble qu'on est dans cette hypothèse-là, c'est lorsqu'elle n'a pas organisé de course depuis 3 ans. Elle a été créée en juillet 2019, nous sommes à plus de 3 ans, et en plus, elle n'a jamais été agréée. Donc soit, deux hypothèses juridiques, soit elle n'a jamais été agréée et donc elle n'a pas d'existence, c'est juste une loi, c'est juste pardon, une association quelconque, c'est pas une association de société de course de chevaux, alors que vous nous demandez de verser une subvention à une société de course de chevaux, mais qui n'a pas d'agrément France Gallo. Ou alors, ou autre hypothèse aussi, si c'est vrai, si elle a eu l'agrément, de toute façon, elle n'a jamais organisé de course depuis plus de 3 ans, donc elle n'a pas d'existence. Et donc, indépendamment de tous les sujets politiques, il y a d'abord cette question juridique. Vous nous demandez de verser une subvention. À quelle structure juridique vous nous demandez? Merci, Madame Lavagne. Merci pour ce trapèze. Et je suis assez stupéfait. Je vous ai envoyé tous les documents. Alors, on reprend. On commence. J'ai d'abord eu l'approbation par le ministre de l'Agriculture que, effectivement, la CHML était conforme à ce que la Fédération nationale hippique demande. Et ça, je vous l'ai envoyé. Donc, à partir du moment où elle est déposée, elle existe. Il reste maintenant à avoir justement l'agrément avec les courses et France Gallo. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient accepté, je dirais, que les FIF achètent l'hippodrome. Et donc, l'agrément... La subvention va permettre effectivement de monter un dossier en bonne et due forme pour recevoir l'agrément. Rassurez-vous, nous avons déjà entamé les discussions avec France Gallo. Et nous n'arrivons pas comme ça la fleur au fusil. Nous avons déjà obtenu de la part de France Gallo un préaccord sur notamment les dépenses de personnel. Et ensuite, il va y avoir une remise en état, bien sûr, de la piste. Il est nécessaire aujourd'hui que la Société des courses hippiques de Maison Lafitte puisse justement monter ses dossiers, d'où la subvention d'un directeur de site qui va prolonger le débat. Donc ce que vous avez dit, je suis désolé, je suis même assez stupéfait que vous ne compreniez pas, il y a eu l'approbation par le ministre de l'Agriculture, le dépôt ensuite en préfecture, et maintenant nous allons entamer les négociations avec la CHML et France Gallo. Merci. Monsieur Gévanovitch. Oui, alors dans le terme société de course, il y a le mot course. Et le 18 mai dernier, vous nous dites dans le courrier des Yvelines, je vous cite, ça nous évitera d'être accusé de révisionniste ou d'affabulateur, je vous cite donc le calendrier qui est vraisemblable, sauf catastrophe, et qui sera arrêté au second semestre de cette année, est une reprise des courses en 2023. C'est ça, la réalité. Alors, la réalité, c'est surtout que France Gallo a publié son calendrier des courses pas plus tard que la semaine dernière, et que non seulement Maison Lafitte n'y est pas, mais qu'en plus, ils sont dans une logique de baisse du nombre de courses annuellement. Alors, on a posé, un certain nombre de mes collègues ont posé la question en commission à Yann Queneau, qui nous a dit... Je cite, on peut peut-être ajouter des courses au calendrier en cours d'année. Alors, pour nous, peut-être que vous nous préciserez si cela est possible, mais cela ne s'est jamais vu et jamais fait dans l'existence de France Gallo. Surtout quand on voit l'état de l'hippodrome aujourd'hui, on voit mal comment il pourrait y avoir des courses en 2023 à Maison Lafitte. Alors, est-ce que finalement, celle qui a été visionnaire avant l'heure, ce n'est pas Madame de Balanda, qui nous disait dès 2019... S'il n'y a pas de course en 2020 sur l'hippodrome, il n'y aura plus jamais de course.
Et puis, non, non, attendez, je n'ai pas fini, parce que moi, j'ai en tête la démonstration que vous nous avez faite ici, il y a 2 ans, avec un grand chevaleret et puis un business plan, un business model de cette société de course. Et vous nous aviez dit, à l'époque, que la mairie de Maisons-Laffitte allait devoir abonder entre 1,2 million et 1,7 million d'euros par an pour nourrir cette société de course. Alors, pouvez-vous nous dire si ce budget, qui est l'équivalent de 2 piscines municipales, est toujours d'actualité? Et puis, à côté de cette société de course, bien sûr, pour la nourrir, il faut qu'il y ait un projet. Et c'est là où on a quand même quelques interrogations, parce que, évidemment, il était impossible de faire la moindre chose pendant les 2 premières années, parce que, on se rejoint, il y avait un plan de sauvegarde de l'emploi, donc on ne pouvait toucher à rien, mais un plan de sauvegarde de l'emploi, ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas d'anticiper. Et aujourd'hui, comme hier, vous êtes bien incapable de nous proposer le moindre projet qui viendrait à côté de cette société de course, eh bien, la nourrir. Et c'est bien le problème que nous avons aujourd'hui en discutant cette délibération. Absolument pas. Et je veux absolument pas, pour la bonne et simple raison qu'effectivement, en mettant sur pied et en donnant les moyens à la SHML de pouvoir lancer le débat et dialoguer avec France Gallo, avec un directeur du site, ça c'est très important. Et je peux simplement vous dire que les courses, nous avons des objectifs, effectivement, et que bien évidemment, cela va prendre un peu de temps parce qu'il y a la remise en état de l'hippodrome sur lequel nous avons, nous le savons bien, un certain nombre d'éléments qui vont nous conforter dans nos choix. Et je peux vous dire que l'objectif est effectivement de reprendre les courses en 2023. C'est un objectif. Alors maintenant, vous me dites, c'est pas au calendrier. Et oui, c'est pas au calendrier et pour la cause. Mais ces courses, et ça, ça nous a été donné effectivement dans des relations que nous avons eues avec France Gallo, sont transférables. Et donc, ce sont des courses de France Gallo. Et c'était la raison pour laquelle, effectivement, nous souhaitions que le comité donne son accord au rachat, à l'achat, tout simplement parce qu'au sein du comité, il y a des gens qui risquent, effectivement, d'avoir des courses transférées sur le site de Maisons Laffitte. J'ajoute une chose, c'est qu'il est clair aujourd'hui qu'à ce titre, ces courses transférées, qui sont des courses de France Gallo, pourraient venir dès lors que nous sommes au point, dès lors qu'effectivement, nous avons un directeur de site qui va pouvoir montrer tout le dossier. D'où la nécessité d'avoir effectivement cette subvention. Et ce n'est pas une subvention, je dirais, répétitive. Si vous l'avez lu, la convention, elle est parfaitement limitée. Et il faut aussi ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous savons qu'un certain nombre de sociétés veulent s'installer dans les tribunes, justement. Donc, on les attend parce que ça va prendre encore un bout de temps. Ne serait-ce que pour avoir des jurés, il y a encore, je dirais, un certain nombre d'échanges entre les notaires qui va avoir lieu. Mais c'est la phase qui permettra, justement, de remonter totalement. Voilà ce que je peux vous dire. Autre question, Madame Quérodrin. Vous le savez que je soutiens la reprise des courses. On a voté pour, Monsieur Géraud également, la dernière fois lors du Conseil. En revanche, pour cette subvention, pour moi, on est un peu dans l'enfumage, comme avec le diagnostic amiante que vous nous aviez promis et que vous nous donnerez jamais. Mais non, l'enfumage, mais attendez, attends, un instant je finis. Non, 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 mais non, non, on me dit qu'il avait été envoyé à tous les membres de l'opposition. Ah ben non, ah ben non. Bon, alors, on va revérifier, mais vous l'aurez, hein. Sans problème. Alors, c'est comme l'étude, monsieur le maire. Pardonnez-moi, Madame Carondren, l'étude que je vous ai demandée. Vous voulez pas nous envoyer l'étude? C'est un moyen de réflexion pour chacun d'entre nous. Non, mais une étude qui a coûté plus de 100 000 euros à la collectivité. Non, mais je suis très calme. Calmez-vous. Écoutez-moi bien. Vous avez demandé. Vous avez demandé, s'il vous plaît, c'est pas la peine de soliloquer. Ce que vous avez demandé, vous ne l'aurez pas, pour la bonne et simple raison que ce sont doivent notamment qui sont des. Vous permettez? Vous pouvez écouter un peu? Oui. Alors, écoutez. Soyez calme. Merci. Ce sont des documents qui vont venir justement lorsque nous aurons complètement terminé
avec justement ces entreprises qui s'intéressent au site. Et je peux vous dire que ça va prendre encore un bout de temps. Merci. Madame Kerraudrin, vous aurez le désamiantage. Le coût, c'est aux alentours, enfin l'étude qui est voilà. Et je m'étonne que vous ne l'ayez pas reçu parce qu'il m'a été dit qu'il a été envoyé à tout le monde. Donc on va recommencer. Donc il, je reprends là, il y en a pour 8 millions 5. 8 millions. Pardon. Je reprends sur mon enfumage alors, du coup. Simplement, donc, la subvention de 100 000 euros, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a du mal à comprendre ce qu'elle cache. Il serait beaucoup plus logique que vous nous présentiez une situation avec une reprise des courses acquise et ensuite, effectivement, on verse une subvention de fonctionnement à cette association. Écoutez, je vous explique les choses. Puisqu'on a effectivement un problème économique sous-jacent et c'est la raison pour laquelle on a perdu les courses à Maison Lafitte, ce modèle économique qui ne tenait pas. Donc, je ne vois pas pourquoi la ville devrait faire l'avance de ces 100 000 euros si la ville n'a pas obtenu au préalable l'assurance de la reprise des courses. C'est un principe de prudence. Et autre chose aussi, je trouve que ce n'est pas très opportun de prélever ça sur le budget d'investissement et de venir le prélever sur le financement des grands projets d'investissement, alors qu'on sait qu'on a énormément de projets en cours, Malesherbes, les cours couverts de tennis, la salle de danse. Je ne trouve pas ça très opportun d'un point de vue technique. Alors, madame, c'est un problème de ce qui passe de la question de fonctionnement à l'investissement. Donc, c'est l'autofinancement qui est légèrement réduit. Deuxièmement, franchement, je suis atterré par votre remarque. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que nous devons mettre sur pied maintenant, c'est justement le budget total et le fonctionnement de la reprise des courses à l'égard de France Gallo. France Gallo nous dit on est prêt à vous accompagner sans problème. D'ailleurs, il y a même une lettre qui a été faite par l'ancien ministre de l'Agriculture à un sénateur des Yvelines et qui a très clairement dit qu'il voudrait accompagner à condition que ce soit la société hippique locale qui ait la maîtrise des choses. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est que la subvention de 100 000 euros va permettre à cette société de monter le dossier. Et donc, c'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Parce que si vous attendez, il faut quand même quelqu'un qui travaille. Et ce n'est pas vous et moi qui allons pouvoir le faire, je dirais, seul. Donc, il faut que cette société des courses ait les possibilités de monter le dossier, de parler avec France Gallo et de dire à France Gallo, voilà ce que nous faisons pour la reprise. Et c'est crédible. Nous avons déjà des éléments. Ils nous ont dit, oui, votre budget est crédible. Parce que, comme nous n'allons pas appliquer la convention France Gallo que vous connaissez par ailleurs, il y a des économies manifestes. Voilà ce que je peux dire. Madame Singer. Et si au final, France Gallo ne vous redonne pas les courses, où sont passés les 100 000 euros? Madame Singer, je n'ai pas pour habitude de Monsieur trouver... Monsieur Miard. Vous permettez? Mais c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez là? C'est la pleine lune ou quoi? Bien. Alors. Était pour voilà. Remarque misogyne. Allez, c'est pas grave. On continue. Je peux simplement vous dire que de ce côté-là, nous avons le soutien des entraîneurs, nous avons un changement d'attitude du côté de France Gallo qui ont parfaitement compris qu'il fallait reprendre des courses à Maison Lafitte et que de ce côté-là, j'ai bon espoir et je ne joue pas comme vous semblez le faire maintenant. Bon espoir, madame, s'il vous plaît. Vous demandez à prendre la parole, je vous la donnerai. Mais s'il vous plaît, vous n'intervenez pas de cette manière. Et vous savez pertinemment que nous avons aujourd'hui des gens qui s'intéressent au site et qui vont le faire fonctionner. Merci. Autre question, Madame Géin. Alors, Madame Théron-Kerraudrin parle d'enfumage. Moi, je dis que vous mettez la charrue avant les bœufs. Allez-y, allez-y. Ah bon, merci. C'est l'habitude d'appuyer quand je parle. Ça doit être ça. Bon, donc cette société de course, vous voulez, si je comprends bien, engager un directeur pour une société qui n'a pas l'agrément, qui ne l'aura peut-être jamais, et dépenser pour cela 100 000 euros. Donc effectivement, ce projet, on en entend parler depuis longtemps, ça a été long, on vous l'accorde, c'est tout à fait normal, mais là, vous arrivez de nouveau avec rien,
C'est-à-dire, le projet économique est indispensable pour que ce ne soit pas les Mansoniens qui payent le fonctionnement de la société de course à hauteur de 1,7 million par an. C'est forcément, il faut que vous ayez un projet économique associé. Or, si la France Gallo ne vous donne pas cet agrément, ça veut dire que vous n'avez pas de projet économique. Pour l'instant, avez-vous, répondez par oui ou non, s'il vous plaît, avez-vous l'agrément ? C'est incroyable que dans la lettre que je vous ai diffusé, où le ministre de l'Agriculture approuve et dit « vos statuts sont conformes à ce que veut la Fédération ». Il dit très clairement que, bien évidemment, il allait continuer à nous appuyer, mais que pour avoir justement l'agrément, c'est le dialogue que nous allons maintenant engager avec France Gallo. Et pour ce faire, il faut effectivement que la Société des courses puisse être en mesure de monter un projet total qui sera béni par France Gallo, et c'est ça l'agrément. Donc ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est vous qui mettez, je dirais, la pyramide cul par-dessus tête. Parce que ce qui est en cours aujourd'hui, c'est qu'effectivement cette société, en recevant effectivement un soutien de la ville, va pouvoir élaborer ce projet d'agrément avec France Gallo pour la reprise des courses. Madame. Monsieur le maire, cette société des courses, il y a déjà des membres qui peuvent y travailler. Et lorsque disait le ministère de l'Agriculture, c'est que la demande de l'approbation des statuts ne pourra se poursuivre une fois que vos échanges avec France Gallo auront abouti à un accord sur la reprise de la gestion de l'hippodrome de Maison Lafitte. Donc, dites-nous, présentez-nous le projet économique. Alors, le projet économique est en cours d'élaboration parce qu'il y a un certain nombre de sociétés, et vous le savez pertinemment, qui veulent s'installer dans les tribunes. Mais je le redis, vous confondez ce qui est aujourd'hui la société des courses dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'Agriculture et qui doit maintenant travailler, et c'est la raison pour laquelle il faut un directeur de site pour pouvoir travailler ce projet avec France Gallo. Quand vous venez de me dire, bien sûr, qu'il y a un conseil d'administration et un comité, cela étant là, il faut maintenant que nous engagions un directeur des sites qui va monter, je dirais, par un dialogue avec France Gallo, ce qui doit être la reprise des courses et dans des conditions qui soient agréées, effectivement, par France Gallo, qui va, comme vous le savez, c'est un système extrêmement complexe, sur lequel il y a de l'argent qui va venir de France Gallo, ensuite d'autres entreprises qui vont s'y intéresser, etc. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est un pas absolument important dans la nécessité d'ouvrir le dialogue avec France Gallo. Monsieur Givanenovic, il me semble que vous avez... Non, juste une question, parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes toujours sur ce budget de fonctionnement présenté entre 1,2 million et 1,7 million d'euros par an ? Et question subsidiaire, êtes-vous pour ou contre un projet hôtelier ? Monsieur Givanenovic, les dialogues... C'est très simple, c'est juste oui, non. Apprenez une grande chose pour vous qui vous fera beaucoup de bien, à vous taire. Merci. Déjà, soyez respectueux. Non. Écoutez, ce n'est pas un débat. J'ai répété à longueur de temps quel était le... Vous savez, ça se soigne. Je vous le dis comme je le pense. Voilà. Ah, c'est bien. Merci. C'est bien. Je pense qu'on est une des seules assemblées... Écoutez-moi. Je vous répète une nouvelle fois qu'en ce qui concerne le projet économique, nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises sont très intéressées par ce qui... Moi, je vous demande un chiffre, 1, 2, 1, 7, oui, non, hôtelier, pour... C'est ça, mais c'est pas un certain nombre, un machin, un truc... Monsieur Givanenovic, mais je suis désolé, ça... Écoutez-moi. Alors écoutez, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin, parce que tout ce que vous dites, et cessez de jouer contre votre ville,
Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons des étapes et nous allons les franchir. Nous devons monter la société des courses. Elle doit dialoguer. Nous avons ensuite des dialogues qui vont s'entamer. Nous savons qu'un certain nombre d'entreprises veulent s'installer dans les tribunes. Donc attendez, parce que le projet n'est pas encore abouti et je peux vous dire qu'il va falloir encore beaucoup travailler. Aujourd'hui, cette étape, c'est de monter la société hippique des courses de telle manière que nous puissions dialoguer. Et dans une deuxième étape qui va débuter très rapidement, nous savons et nous allons analyser quelles sont les entreprises qui vont s'y installer. Bien, alors maintenant, on a tous parlé, Nicolas Ljubovic, allez-y. Oui, et ensuite, je crois que monsieur Giraud voudra prendre la parole. Je vais me retrouver très seul, une sorte d'îlot de solitude au milieu de l'opposition municipale, j'ai l'impression. En tout cas, je voterai pour cette délibération, de manière très, très logique, car en effet, déjà, j'avais approuvé la reprise par les PFIF de ce terrain dans un cadre très simple de maîtrise stratégique de notre patrimoine, qui était essentiel pour éviter de le voir démantelé et partir sur des situations que nous n'aurions pas pu maîtriser par la suite. Et là-dessus, je considère en effet que ces 100 000 euros, parce qu'on peut se les permettre aussi, soyons tout à fait honnêtes, on va arrêter de se voiler la face sur le sujet, sont une question d'investissement aussi, d'investissement pour pouvoir mener les choses, et que je préfère, sans vouloir vexer Madame Bertrand Balanda, mais je préfère qu'un spécialiste qui puisse nous aider à monter tous les dossiers soit embauché pour être le directeur de site plutôt que de laisser finalement la majorité municipale monter le dossier toute seule. Alors. Merci. Jean-Claude ? Oui, moi j'aimerais simplement savoir, bien sûr pas les noms, mais tu as quand même du concret pour les entreprises qui veulent investir. Combien d'entreprises ? C'est important quand même qu'on le sache, sans connaître Alors, les noms, bien à évidemment. À ce stade, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous savons pertinemment, et je sais qu'il y a une autre personne de l'opposition qui le sait, parce que tout circule, il y a une entreprise très importante qui veut installer son siège dans les tribunes. D'autres viennent. Et ce sont ces autres qui vont certainement faire le désamiantage parce qu'elles veulent s'y installer. Donc je ne peux pas vous dire... Nous le saurons très vite. Pardon ? Non, il y en a 4 ou 5. Voilà, qui devraient venir. Mais actuellement, c'est un processus, on y va étape par étape. Je vous rappelle qu'il va se passer encore quelques semaines avant que juridiquement... nous soyons propriétaires, parce que les notaires doivent discuter entre eux. Et donc, c'est étape par étape. Le comité, ce matin, a dit d'accord, parce que ça n'a pas été sans mal, parce qu'il y avait eu un contrôleur d'État qui pensait qu'on allait faire des opérations immobilières. Et j'ai passé une heure au téléphone avec lui pour lui démontrer que l'hippodrome en lui-même était inconstructible, parce qu'il se focalisait sur ce qui se passait en face. En face, il y a la marina qui est dans l'eau, mais les constructions sont hors PPRI. Or, l'hippodrome de Maison Lafitte est totalement dans les PPRI et c'est le libre écoulement du fleuve sur la base de l'article 13 de la loi Barnier de 95. Donc, de ce côté-là, nous savons qu'il y a des entreprises qui s'y intéressent et pour l'instant, j'attends qu'elles vont dialoguer, notamment avec les PFIF. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, je vais passer au vote parce que... Juste une question là-dessus. Ces entreprises ont-elles un lien avec le monde des courses ? Ces entreprises ont-elles un lien avec le domaine hippique, avec le monde des courses ? On vous le dira lorsque elles seront venues nous voir de manière très précise. Mais n'ayez aucune crainte, la réponse, a priori, pour l'une d'entre elles, c'est oui. Madame Johan. S'il vous plaît, monsieur le maire, explication de vote. Devant le manque d'informations... devant la faiblesse de votre vision, et surtout parce que nous ne savons pas du tout ce que ça va coûter aux Mancenniens,
les chiffres sont quand même très importants, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, surtout en fonctionnement. Nous allons donc voter contre cette subvention de 100 000 euros à une société de course qui n'a toujours pas reçu d'agrément. Madame, vous venez de signer non seulement votre incompétence, non seulement votre incompétence, mais surtout le fait que vous jouez contre votre ville. Et ça, je tiens à vous le dire, que les Mansoniens, ils vont le savoir. Voilà. Alors maintenant, je passe au vote. D'abord, sur la modification du point, c'est le 9, sur 7. Le 7, pardon, sur la modification donc du budget. Qui est contre ? Je vous remercie. Donc, il y a combien ? 6, ouais, c'est ça. Vous êtes contre aussi, madame ? Abstention. Abstention, d'accord, merci. Et maintenant, sur la subvention, qui est contre ? Merci. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Et je vous donne rendez-vous dans quelques... Abstention, très bien. Donc, ça veut dire 6 contre, c'est ça, ou 7 contre. Et le reste à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je passe maintenant... Madame de Balanda va rentrer. Et on passe au point 9, c'est ça ? Sur les AC. Oui, donc les attributions de compensation définitive 2021-22 et les provisoires 2023. En fait, dans la mesure où il n'y a pas eu de nouveaux transferts de compétences au niveau de l'agglo en 2022, donc la commission locale d'évaluation des charges sociales, la CLEC, ne s'est pas réunie. Et donc, il est proposé de maintenir les montants d'attribution de compensation. Donc voilà, donc, vous avez la liste, c'est strictement équivalent, égal. Donc la ville va tout, et j'espère que ça, on tiendra parce que bref, donc c'est 6 880 000. Pas d'objection, adopté. Point budget ville, montant de la dotation aux provisions pour chacune création douteuse. Philippe. Voilà, donc là c'est effectivement habituel, hein, tous les ans, et vous connaissez maintenant cette dotation aux provisions pour créances douteuses, hein, et nous le faisons donc dans les cas de contestation sérieuse via le comptable public. Hein. Et donc, on a retenu la méthode de calcul qui prend en compte l'ancienneté de la créance avec la prise en compte de l'ensemble des créances de plus de 2 ans, taux de provisionnement de 15%, identique à l'ensemble des créances. Et donc, vous avez la liste derrière. C'est, comme d'habitude, comme tous les ans, à peu près les mêmes niveaux. Et donc, une provision d'environ 10 355 euros. Merci. Alors, qui est contre ? Madame, pardon ? Une question, est-ce qu'on peut avoir une précision de quoi sont composées ces créances douteuses ? Quelle est la tendance ? Alors, en général, c'était demandé dans la première année où vous arrivez dans le conseil. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites créances, ça peut être plein de choses. Donc, si vous le voulez vraiment, on peut aller rechercher quelques explications, mais c'est à chaque fois des créances douteuses. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr de pouvoir avoir le recouvrement, ça rentre dans ces créances. Et c'est le comptable public qui l'estime. Voilà. Bien, merci. Je veux bien le détail pour une fois. Pardon ? Je veux bien le détail pour une fois. Je répondais à M. Bouvier. Effectivement, je veux bien le détail pour une fois à une séance ultérieure. Moi, je trouve que c'est dommage que le personnel soit, à mon avis, devrait plutôt servir à des éléments plus importants. Mais donc, c'est du style de... Enfin, on retrouvera 2-3 exemples. Créance de facture non acquittée. On vous donnera 2 ou 3, vous verrez. C'est très variable. Oui. Merci. Bien, et là, on provisionne à hauteur de 10 000 sur 69 000. Je vous rappelle, ça a commencé en 2013, vous voyez ce que je veux dire. Bien, pas d'objection, adopté. Alors, je propose, Philippe, écoute bien, que les points 11 à 15, qui sont des autorisations d'engagement, tu exposes d'une manière générale et on les appelle rapidement les uns derrière les autres. Oui, bah c'est en fait la conséquence du vote du budget primitif donc, au printemps, qui fait donc qu'il faut pouvoir organiser les dépenses pendant la première partie de l'année. Et donc, ça nous permet d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents à la dette. Donc, c'est ce que l'on vote tous les ans, puisque c'est notre budget que l'on vote toujours au printemps. Donc, ça nous permet donc d'avoir les engagements non soldés au 31 décembre de l'année. Et ça permet aussi aux opérations évidemment urgentes et aux opérations d'avoir lieu, sauf les autorisations de programme crédit de paiement. Or, ce qui a un sens maintenant, puisqu'il y a Malesherbes qui en est donc exclu.
Donc, on vous demande d'autoriser cette ouverture par anticipation, donc toujours à 25% pour les différents budgets énoncés entre le point 11 et le point 15. C'est la même chose. Alors, je vous rappelle que c'est grâce à cette possibilité de provision, entre guillemets, que nous avons, que Claude Kopelinski a pu faire les travaux à la sortie du parc, où nous avons eu un malheur avec l'effondrement d'une canalisation. Donc, j'appelle les uns derrière les autres, c'est-à-dire le point, donc il y a le, ça va du 11 au 15, pas d'objection, adopté. Alors maintenant, en ce qui concerne, on passe au point Franck Lelièvre, Office du Tourisme. Donc cette délibération concerne l'Office du Tourisme, qui est, comme vous le savez, constitué sous forme associative. Il s'agit ici de déléguer pour 3 ans à l'Office du Tourisme les missions d'accueil, d'information, d'animation et de promotion touristique de la commune et d'approuver pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2023 la convention de subventionnement pour participation au fonctionnement de l'Office du Tourisme. Bien, vas-y. Là, c'est bon. Bon. Merci, Monsieur le maire. Alors, merci pour nous avoir transmis, quand on vous l'a demandé, le rapport moral de l'Office de tourisme, bien qu'il n'y ait absolument eu aucun autre rapport, puisque nous n'avons donc absolument aucun chiffre. Quand on regarde dans le site de l'Office de tourisme, le site du département sur le tourisme, on s'aperçoit dans le top 10 des sites incontournables que Maison Lafitte ne figure pas. Et pourtant, nous avons ici à Maison Lafitte un château qui est le meilleur exemple d'architecture classique, donc forcément un attrait touristique très important. Quand on regarde sur le site officiel de tourisme intercommunal de la CASGBS, dans la rubrique « Nos pépites », on ne trouve pas non plus Maison Lafitte. Donc, il y a bien le lien quand même pour l'Office de tourisme de Maison Lafitte, mais c'est à peu près tout. Donc, la coordination est la condition essentielle d'une bonne politique de tourisme. Donc, la question se pose. Vous avez refusé que Maison Lafitte intègre l'Office de tourisme intercommunal. C'est visiblement une erreur très, très importante, puisque, comme chacun sait, c'est le fondement du tourisme que d'attirer des gens de l'extérieur. Or, nous avons un Office de tourisme qui excelle dans l'animation locale, mais finalement... est assez peu performant pour attirer des touristes. Et il a également une multitude de choses à vendre. Bon, c'est un choix, effectivement, c'est un choix de politique de tourisme. Je ne suis pas tout à fait sûre que le parfum bicorne de Napoléon soit très attractif pour les touristes français, étrangers. Or, l'Île-de-France est quand même la première région touristique française. Est-ce que nous en profitons? En l'absence de chiffres, nous ne pouvons pas le savoir. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Alors, madame, premièrement, pour la convention, vous savez que nous sommes station touristique et que nous sommes une création, un maintien conforme à la loi. Donc, sur le point 13, je vous demande de savoir si vous êtes pour le maintien d'une convention avec l'Office du tourisme ou non. Qui est contre? Merci. Donc, merci. C'est donc le reste adopté. Maintenant, et vous ne répondez pas aux questions, alors? Non, madame, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je vous rappelle que quand désolé, un sujet est à l'ordre du jour, vous êtes on exprimée, ne peut l'aborder. Madame, donc je crois qu'il faut conduire les débats un peu avec ordre et discipline. Répondez aux questions. Et vous êtes justement l'expérience. Que vous ayez, je dirais, que vous souhaitez que la ville n'ait pas son propre office de tourisme, je m'en suis déjà expliqué à de multiples reprises. Donc, je viens maintenant sur l'attribution d'une subvention. Tu l'as exposé? Non. Vas-y. Donc, de la même manière que les précédentes délibérations exposées par Philippe Bouvier, il s'agit d'une avance afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Office du tourisme d'ici au vote du budget primitif. Et il vous est donc demandé d'accorder une avance de 40 000 euros. Qui est contre? Très bien, je vous remercie. Abstention, c'est voté. Et donc, on passe maintenant, en ce qui concerne une avance à la crèche du Verdi,
Franck. Donc, même principe pour la crèche du Verdi, pour une avance à hauteur de 100 000 euros. Allez-y. C'est bon ? Oui, il a dit. C'est fait ? Bien. Ah, tu vas vite, hein ? Bien. Alors, donc, il s'agit donc d'une avance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Même cause, même effet. Adopté. Alors, point 19, c'est les règles applicables en matière de gestion budgétaire. Philippe, ou je le fais ? Ben, vas-y, c'est la M57. Tout à fait. Donc, en fait, c'est en application de la loi NOTRe et de la loi... Remets ton micro. Dites loi 3DS, que les collectivités territoriales peuvent opter par délibération donc, de notre conseil pour une mise en place de la M57 avant le 1er janvier 2024. Et nous allons vous proposer une mise en place anticipée au 1er janvier 2023. Donc, en fait, cette M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales et elle reprendra les principes communs aux trois référentiels, la M14 pour les communes et EPCI, la M52 pour les départements et M71 pour les régions. Et elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Voilà, donc il y aura des règles assouplies. Nous estimons que c'est un plus et c'est pour ça qu'on l'avance d'un an. Donc, ces nouvelles règles, ce sera en matière de gestion pluriannuelle des crédits, une définition d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier, vous l'avez eu en copie, donc c'est un document que je trouve très bien fait, et je pense que vous l'avez sans doute lu, et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, même en dehors du conseil municipal. Je te propose de présenter le point 20 également, parce que c'est lié. Oui, absolument. Donc également donc, en matière de fongibilité des crédits et notamment la faculté de pouvoir procéder à des mouvements de crédit entre chapitres jusqu'à 7,5% des dépenses réelles. Alors là, c'est important parce que vous avez souvent eu dans le passé des décisions modificatives à cause de tels transferts. Donc ça paraissait un petit peu absurde, c'était des petits mouvements comptables. Maintenant, ce ne sera pas la peine. Donc là, c'est une simplification. Et en matière de gestion de l'actif et des amortissements, c'est une gestion pro rata temporis. Voilà. Donc, on souhaite le faire à partir du 1er janvier 2023. On va donc changer de maquette budgétaire. On devra donc ensuite voter un compte financier unique qui fera une fusion des comptes de gestion et comptes administratifs qui, vous savez, sont deux faces d'un même mouvement. Donc, je dirais qu'enfin, on arrive un petit peu de rationalité là-dedans. Et donc, voilà, on vous demande cette autorisation pour le passage à la M57, de conserver le vote du budget par nature et par chapitre à compter du 1er janvier 2023 et d'autoriser le maire pour les mouvements inférieurs à 7,5%, comme je vous disais. Également, donc, dans le même temps, point 20, l'approbation du règlement budgétaire et financier qui décrit les procédures budgétaires et comptables en précisant leurs modalités d'application au sein de la commune, de créer un référentiel commun que l'ensemble des services à s'approprier et de formaliser et sécuriser le dispositif des AP, des autorisations de programme et des crédits de paiement. Merci. Voilà. Alors, j'ouvre la discussion. Madame Théron. En effet, je trouve ça très bien d'anticiper d'un an le changement de nomenclature, puisque ça permet de se roder un peu à ces pratiques et de voir comment on peut être totalement conforme au 1er janvier 2024. Juste une question technique. Je vois qu'effectivement, vous anticipez pour certains des budgets annexes, mais pas pour l'intégralité. Je pense notamment au budget annexe du stationnement. Je voulais savoir pour quelles raisons on n'a pas anticipé pour cela. Question ? Non, ce ne sont pas des budgets en M14. C'est pour cette raison. D'accord, je vous remercie. Ou de la fixation des durées d'amortissement. Et j'ai regardé ça de près. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'amortissement, de durée d'amortissement pour les animaux et pour les conseillers municipaux. Ça m'a rassuré. Bien. Vous l'avez regardé dans le détail. Ah, mais ne te casse pas pour ça, camarade. Pas d'objection. Adopté. Alors, maintenant, on arrive aux tarifs municipaux, à la révision. C'est-à-dire le point 22, qui est... Alors, vas-y, tu lances le débat.
Oui, en fait, donc, comme à l'habitude, chaque adjoint va, et chaque délégué va pouvoir parler de son secteur. La règle qu'on a prise d'une façon générale est une actualisation de 3,5%, donc en dessous du taux d'inflation pour la plupart des points. Mais je vais laisser, disons, les différents sujets donc, se dérouler. Donc les droits de voirie, effectivement, c'est 3,5% sous réserve des arrondis. Ensuite, il y a le cimetière aussi pour les 3,5% arrondis, également pour le stationnement des voitures de place taxi. Par contre, je pense que je vais laisser la parole sur le forum des associations à mes amis qui ont participé d'une façon plus active que moi sur ce sujet. Juste ajouter une chose, c'est que l'inflation est quand même bien supérieure, mais on a choisi 3,5. Voilà, vas-y, Jean-Philippe. Oui, en l'absence d'Anne Bailly, simplement sur le forum des associations, il est proposé de prendre en charge une augmentation des coûts de 7%, qui correspond finalement aux frais de location de Barnum qui augmentent, et aussi le nombre de demandes complémentaires qui peuvent être faites pour accueillir les associations dans de bonnes qualités, dans de bonnes conditions. Pardon. Pardon. Madame Lavagne. J'ai déjà posé la question les fois précédentes et je renouvelle cette question. Pourquoi taxez-vous les bannes et les stores alors que c'est une protecteur pour les passants? Ce n'est pas une mesure publicitaire. Je ne comprends pas pourquoi c'est taxé à 7,49 €. Le 202. C'est la location. Pardon? C'est sur le domaine public, bien sûr. Et certes, ça empiète sur le domaine public, mais l'été ou l'hiver, quand il pleut, on est bien content de passer à côté de magasins qui ont des stores. Je crois que vous avez une fausse idée de ce qu'est le commerce local et plus particulièrement la capacité pour un certain nombre d'établissements, et je m'en félicite, effectivement, d'avoir cette permission de surplomber le domaine public pour faire des affaires. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire qu'on a même constaté, hein, Yann, que sur un certain nombre de restaurants, etc., ils ont la capacité, on va dire, de faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important que ce qu'il est perçu en termes de voirie. Non seulement c'est la loi, mais c'est ça. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres objections? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous remercie. On poursuit. Alors, ensuite, j'en viens au 24, c'est ça? Alors, 23, pardon, parce que avec vos chiffres romains, à chaque fois... Alors, marché communal, révision des tarifs. Yann. Alors, le marché, on en avait parlé déjà l'année dernière. Alors, marché, c'est, il est soutenu par la ville depuis toujours. On l'a vu pendant la période du Covid, où on l'a accordé on a fait un effort de 15 473 €. On avait voté ça l'année dernière. Malgré cela, on remarquait qu'il y avait un problème structurel sur le marché. Ils avaient du mal à équilibrer leur compte. Donc, on avait déjà augmenté le prix des places l'année dernière de 3%. Malgré cela, en 2021, ils sont encore en déficit de 2 584 €. Donc pour 2022, on propose d'augmenter à nouveau de 3,5%. En 2023, pardon. Alors, je note que cette augmentation est plus faible que l'inflation. Toutefois, quand on regarde le rapport qui concerne l'activité du marché sur 2021, qu'on voit le nombre de commerçants qui est passé de 53 à 49, 45, je crois. Est-ce que finalement cette augmentation ne va pas être contre-productive? Est-ce qu'on risque pas de faire fuir des commerçants, puisque le nombre ne cesse de baisser? Non, parce que quand même, ce qu'on demande aux commerçants est très modeste par rapport au chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Et la diminution qu'on a eue entre 2020 et 2021... elle est essentiellement due au Covid, hein, malheureusement. Et en 2022, on se rend compte que déjà, ça augmente fortement. Et Lombard et Guérin fait beaucoup d'efforts pour essayer de remplir la halle le mieux possible. Donc, si vous allez au marché, vous pouvez voir qu'il y a des commerçants de grande qualité et qui se portent très bien. Merci. Qui est contre?
qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. Point 24. Avant de passer la parole à Charles-Philippe Mourgue, qui va le défendre, je voudrais remercier, elle n'est pas présente ce soir pour déplacement professionnel, le travail qui a été fait par Anne Bailly et le directeur de la piscine et aussi avec la directrice des sports Scani, c'est-à-dire M. Waïd, et qui ont fait un excellent travail parce que ce n'était pas si évident que ça. Charles-Philippe. Merci, M. le maire. En effet, ces différentes mesures s'inscrivent dans le cadre de maîtrise des coûts liés à l'envolée du prix de l'énergie impactant la piscine. Peut-être un rapide rappel. Le coût annuel de la piscine, c'est environ 1,5 million d'euros. Pour 2023, il est projeté à 2,3 millions d'euros, sachant que la billetterie, sur les bonnes années, c'est environ 700 000 euros. Donc, les différentes mesures, vous l'aurez compris, visent à essayer de contenir au mieux l'envolée des prix de l'énergie tout en gardons une qualité des prestations offertes, en particulier la température de l'eau. Donc l'ensemble de mesures, en résumé, quelles sont-elles? Eh bien tout simplement de jouer sur la période de fermeture pendant la période de Noël qui permet d'une part d'organiser la vidange de la piscine, de permettre de faire en sorte que les agents prennent leur congé ou qu'ils soient éventuellement réaffectés aux besoins en fin d'année sur d'autres services. Permettre aux vacances, évidemment, aussi au mois de février, qui serait conduire à une fermeture de la piscine. Deuxième point, fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'activité de bébé nageur et également de toute l'activité bien-être, c'est-à-dire hammam et sauna, qui sont extrêmement chronophages en énergie, en chauffage. Et enfin, en compensation de ces différentes mesures, un décalage de l'application des forfaits qui auraient été souscrits par les usagers dans le temps pour permettre justement, compte tenu des périodes de fermeture, de pouvoir bénéficier de l'activité. Et enfin, même si seul, il y avait une précédente augmentation des tarifs en juin dernier, une augmentation de nouveau de l'ordre de 4,5% des tarifs en place devrait permettre là aussi de contribuer, toute proportion gardée, à justement ces mesures de maîtrise des coûts. Merci. Question, Madame Singer. Oui, concernant les fermetures, je voulais savoir si vous aviez un chiffre à nous donner sur les économies qui sont prévues. Oui. Total. Alors, sur la piscine, c'est un problème réel parce que, je vais vous les donner, en effet, il faut que vous sachiez que de toute façon, même si on fermait totalement la piscine à l'année, nous avons toujours le coût du personnel qui ne peut pas être déplacé. Et donc, à ce titre, je pense qu'avec les fermetures et, je dirais, la nécessité d'avoir un peu plus, moins d'ouverture, on arrive à environ 240 000 euros d'économie. Mais attendez, je vais vous retrouver parce que je l'avais à l'instant. Moi, j'avais noté 83 000 euros. Non, c'est beaucoup plus que ça. Au total, sur l'année, avec justement les... où est-ce que je l'ai collé? 83 000 correspondent seulement à la fermeture sur Noël. Hein, là, le montant annoté par le maire concerne effectivement l'ensemble des mesures. Pardon? 180 000 au total, mais il y en a. On vous les donnera parce que ce n'est pas linéaire. Il faut que vous sachiez qu'on a demandé au personnel, notamment à la fermeture qui commence aujourd'hui, de prendre leur congé. Mais on ne peut pas le répéter ad vitam. Le coût du personnel sur l'ensemble de la piscine, c'est 800 000 euros. C'est aussi simple que ça. Et donc, il est manifeste qu'en fermant, et nous avons préféré justement fermer un certain nombre de choses, et tout en augmentant les tarifs pour avoir l'eau à la bonne température. Parce que de ce côté-là, certains se plaignaient. Donc il valait mieux faire une petite dépense complémentaire et puis avoir une température normale. Madame Boiron. Oui, c'est quand on a discuté de ça, c'est la balance qu'il y avait, c'était ou plus de fermetures, ou moins de fermetures, mais on baissait la température de l'eau. J'ai été contre tout de suite et on s'est rendu compte que en fermant une semaine supplémentaire, on pouvait maintenir notre bassin à une bonne température pour les enfants parce que les tout petits, quand ils sont dans l'eau 40 minutes, ils ont vite les lèvres bleues. Je vois Madame Duflot qui sourit, elle part en connaissance de cause. Alors,
j'ai eu quelques remarques venant, par exemple, de la DTT, en disant qu'effectivement, on pouvait baisser la température. Mais là, je n'ai pas insisté. Alors, je peux vous donner, par exemple, la fermeture de 6 semaines, c'est, on économise 147 000 euros. Ensuite, on n'a pas baissé la température. La suspension de l'activité bébé nageur, c'est 10 000 euros pour la période hivernale. La fermeture du bassin sauna, là, c'est 5 444. Et puis enfin, l'augmentation des tarifs rapporte un peu. Donc on a 172 884 d'économie. Mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a une non-rigidité, il y a une rigidité par le monde des coûts. Oui, monsieur Léjoie. Oui, pardon, oui, il y avait Jean-Claude Giraud avant. Allez-y. Oui, moi je voterai contre parce que je suis contre la fermeture prolongée du centre aquatique. Parce que les sportifs qui s'entraînent pour des compétitions, ils ont besoin de s'entraîner. Et il y a des gens qui vont à la piscine parce qu'ils ont des certificats médicaux pour justement nager. Donc ces gens-là n'iront plus chez nous pendant cette période-là, puisqu'elle est fermée, et ils vont prendre l'habitude d'aller ailleurs, donc on va les perdre à terme. Donc ça va être des entrées en moins, et on ne soigne pas ces gens-là qui sont obligés par leur médecin de faire des activités aquatiques. Donc je voterai contre, parce que ça me paraît... c'est un service public. Tout à l'heure, Gino Necky a parlé de continuité du service public. J'estime que le centre aquatique est un service public et au-delà, je dirais que pour des nageurs, baisser la température de 2 degrés, c'est pas la mort. On n'a pas les lèvres bleues au bout de 2 degrés en moins. Je suis désolée, mais baisser la température de 2 degrés pour des enfants qui ont 5 ans, de 5 ans à 10 ans, oui, ça a un impact très fort. Alors, Jean-Claude, on ne va pas se pourvoyer parce qu'on se connaît suffisamment. Toutes les piscines alentour ferment, sans exception. Je suis désolé, sans exception. Celle de Saint-Germain, il a décidé de fermer et il a repassé le bébé parce que elle est dans un syndicat aux autres. J'ai entendu de mes propres oreilles, du côté de Sartrouville, le maire de Sartrouville dire « si je suis obligé de fermer la piscine, je la fermerai ». Et donc, etc. Et donc, je suis désolé, toutes les piscines alentour ferment. Et ne me racontez pas des histoires, nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais quand on connaît l'envolée, je dirais, de l'ensemble des fluides, etc., ce n'est pas possible. Et je suis désolé de dire que si on pouvait le maintenir, on le ferait, mais ce n'est pas le cas compte tenu de l'envolée, notamment du gaz. Les dernières estimations sur l'envolée du gaz pour chauffer la piscine sont alarmante, hein, puisqu'on risque de passer à des factures qui seront notamment, si j'ai bien compris, de 12 multipliées par 4. Donc il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Bon, je comprends ça, monsieur Liégeois. Oui, une question concernant les compteurs et les bâtiments municipaux. Est-ce que vous avez des compteurs qui enregistrent la conso de gaz, que ce soit ELEC ou la conso de gaz ou ELEC, en temps réel? Parce qu'à l'époque, le CIGEF nous proposait des services pour optimiser, et c'est pas rien, parce que quand on optimise avec un temps en fonction de la saison, en fonction de la température, etc., on peut arriver à des économies intéressantes. Donc je sais que le CIGEF proposait ça. Donc c'était une question, est-ce qu'on avait ces compteurs qui peuvent mesurer en temps réel la conso pour pouvoir caler un petit peu plus? Et puis j'avais une deuxième question concernant quand les bâtiments ne sont pas occupés. En fait, c'est la ville qui prend en charge le chauffage. Quand on a le temps, l'heure de présence des associations, on n'est pas sur un prorata sur l'année, on est sur seulement l'heure de présence. C'est-à-dire que quand les associations ne sont pas présentes, c'est la ville qui prend en charge. Vas-y. Oui, on a des compteurs, on a fait des relevés équipement par équipement et on sait ce qu'on consomme par bâtiment. Et les calculs qu'on a faits, c'est par heure de consommation des associations présentes. Oui, mais au niveau des équipements, est-ce qu'on a des équipements un peu récents qui permettent de mesurer la conso en temps réel? C'est comme ça qu'on a calculé les dépenses. Madame Théron. Sur le centre aquatique, on bénéficie de la géothermie, il me semble.
la géothermie avec l'Albien, qui a une température assez forte. Alors... Et dans quelle mesure ça peut nous aider pour justement ces augmentations de fluide pour alors, la piscine. On a mis en place à la piscine une pompe à chaleur. Pour ce qui est de la géothermie, parce qu'on a eu une très grande réunion en préfecture à ce propos, c'est que si d'aventure on va tirer dans l'Albien ou dans le Dogger, comment il s'appelle, le Dogger, etc., ce qui est à moins 1600 mètres, et à ce moment-là, ça coûte extrêmement cher, et que si on va chercher dans l'Albien de l'eau pour améliorer, à ce moment-là, on est obligé de réduire ce que nous pompons à l'usine à eau. Donc c'est un vrai casse-tête. Et pour répondre à Jean-Claude, je voudrais quand même te dire, en temps normal, la facture globale de la ville, en temps normal, c'est-à-dire hors la période actuelle, est de 400 000 euros. Et nous allons monter à 1,5, 1,6. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas la peine de faire, je dirais, de se lamenter. La réalité est que le gaz s'envole. Et ce que je crains d'ailleurs, c'est que ça soit encore pire l'an prochain. Madame Géhin. Oui, monsieur le maire, pour comprendre... surtout votre chiffre qui m'intrigue. Sur le hammam et le sauna, j'ai souvenir que le choix avait été fait parce que, justement, c'était une source de recettes très, très importante. Et donc, je m'étonne un peu que, même avec l'augmentation du gaz, et vous avez parlé, alors j'ai peut-être mal entendu, mais de 5 400, 5 500 euros d'économie. Donc, ça me paraît un peu contradictoire à un moment où c'est autrefois vraiment le plus rentable pour la piscine et d'un seul coup, c'est ce que vous fermez. Madame, j'ai à un moment amené des éléments objectifs, pas des. Mais c'est la pleine lune. Vous permettez ? Merci, merci, Madame Géhin. N'ayons qu'une crainte. Voilà. Vous n'allez pas me déstabiliser, vous, c'est déjà fait. Charles-Philippe, tu réponds sur ce point ? Sur l'année 2023, il serait estimé, grosso modo, que la fermeture de l'activité bien-être génère quelques 60 000 euros d'économie. Donc, effectivement, voilà. Donc, effectivement, on voit bien que par rapport aux éventuelles rentrées, on n'y serait pas, puisque... Sur le nombre d'usagers uniques, si je devais donner effectivement un chiffre, bien que je crois que cette commission avait déjà été abordée en commission la semaine dernière, donc je peux le rappeler, sur l'espace forme à proprement parler, sur 2022, donc à date, hein, sur la période du on était sur moins d'une cinquantaine de tickets, dont 24 à usage unique. Donc je pense que le rapport rentrée économique, même si on projette sur l'année par rapport aux économies en jeu, n'y est simplement pas. Je précise également que sur l'activité bébé nageur, dont le chauffage démarre juste la veille au soir, hein, donc le vendredi soir pour une activité le samedi matin, c'est 10 000 euros d'économie à l'année. Donc effectivement, ce sont des décisions qui sont difficiles, comme le maire l'a rappelé, pour les personnes qui sont impactées. Mais encore une fois, il n'y avait pas de solution simple. Et là-dessus, effectivement, croyez-moi, les services ont travaillé avec le directeur de la piscine et Anne-Bailly, vraiment sur toutes les pistes possibles pour essayer de concilier au mieux toutes les contraintes liées à l'envolée de ces factures que personne ne maîtrise autour de la table ou ailleurs. Alors, je passe au vote. Qui est contre ? D'accord, merci Jean-Claude. Et ensuite, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Un contre et 34. Alors, on poursuit. Maintenant, on va parler restauration scolaire. Madame Boiron. Oui, nous avons à l'heure actuelle un seul tarif unique en maternelle et en élémentaire. Nous avons souhaité changer ce mode de facturation aux parents et nous avons choisi de faire un barème de tarification progressif en fonction des revenus des familles. Nous avons pour cela d'abord calculé le prix de revient d'un repas qui, au 1er décembre 2022, est de 9,24 euros. C'est un coût très bas, parce que dans les autres communes aux alentours, c'est plutôt entre 11, 12, ça va même jusqu'à 14 euros, le prix de revient du repas. Et nous avons demandé aussi les revenus des foyers. Donc, nous avons demandé les avis d'imposition de toutes les familles à Maison Lafitte. Avec toutes ces données, nous avons d'abord constaté qu'on a un revenu fiscal de référence moyen sur la ville qui est très important, qui est de 79 000 euros et des poussières.
À Stratégal, c'est plutôt 45 000. Donc, nous avons quand même des foyers qui ont des revenus très substantiels. Nous avons fait appel à un cabinet conseil qui nous a suggéré plusieurs scénarios. Et notre choix s'est arrêté sur un taux minimum de 2 euros et un taux maximum de 8,04 euros pour les Mansoniens. Chaque famille aura un taux d'effort proportionnel à ses revenus. Pour les extérieurs, je vais juste évacuer ça tout de suite, ils paieront le coût de revient d'un repas, c'est-à-dire 9,24. Il sera mis en place, je pense que d'ici la fin de la semaine, sur le site de la ville, un simulateur. Je vous avais montré ce que c'était en commission, vous en avez un sur vos tables. Les Mansoniens rempliront le revenu fiscal de référence, le nombre de parts du foyer fiscal, tout ça est inscrit sur leur feuille d'impôt, et le quotient familial sera calculé. Et donc, ils auront le prix qu'ils vont payer, soit en tarif plein, soit en tarif PAI. Avec ce mode de calcul, on a à peu près 49% des familles qui paieront entre 2 et 4,90 €, qui est à l'heure actuelle ce que les gens payent en élémentaire. Et les autres auront un taux progressif qui ira donc de 4,90 € à 8,04 €. Bien évidemment, ce taux d'effort sera calculé chaque année scolaire sur la base du dernier avis d'imposition de l'année N-1 fourni par la famille. Alors, j'ajouterais une chose, c'est que dans l'état actuel des chiffres et des augmentations des prestations, parce que c'est sur la nourriture qu'on craint qu'il y ait une augmentation. Vas-y, complète. Je vais compléter mon propos. Nous avons reçu ce matin la société Compass, qui est notre prestataire, et qui nous a dit qu'eux n'y arrivaient plus non plus. Et donc, ils nous demandaient une augmentation du prix du prix de repas. Cette autorisation nous est donnée par un décret qui est sorti au mois de septembre, c'est ça ? Puisque nous avons un marché, mais qui peut être modifié par ce décret. D'accord. Donc, en plus, le 9,24 € que nous avons calculé sera très certainement impacté à partir du 1er mars 2023. Voilà, ça, c'est la réalité. Je n'ai pas fini, madame. Oui, après il y a aussi... nous avons déjà eu une augmentation en juin jusqu'en février de juin 2022 à février 2023 à la demande de notre prestataire. Nous avons eu une augmentation des salaires automatiques, donc nous avons des agents qui sont plus payés, c'est très bien, mais nous, ça a un impact aussi sur le coût du repas. Alors, globalement, aujourd'hui, la ville, avec ce système tel que, je dirais, à la date d'aujourd'hui, la ville continue d'assurer 45% du coût de la restauration scolaire. Les 55%, ce sont effectivement les familles au prorata de leurs revenus. Madame Théron, vous voulez parler ? Oui, merci. Je voulais poser juste une question, Madame Boiron, pour les augmentations de la société Compass, de savoir quelle était le taux d'augmentation en juin et quel est le taux qu'ils expriment encore aujourd'hui. Alors, en juin, c'était 5%, sachant que toutes les communes aux alentours ont eu cette même augmentation et qui n'est pas restée à 5%, qui était plutôt de l'ordre de 10 à 12%. Il y a des communes qui ont vu leur taux grimper, leur coût grimper jusqu'à 15%. Madame Lavagne. Alors là, on est en négociation avec eux, voilà, pour tout vous dire. Je pense que si on arrive à avoir 5%, ça sera bien, mais voilà, c'est pas encore arrêté, ça. Allez-y, madame. Plusieurs questions, monsieur le maire.
Je ne comprends pas que les familles n'ayant pas transmis leur avis d'imposition et doivent payer 9,24 € comme si elles étaient extérieures à Maison Lafitte. Et le tarif le plus cher, OK, qui devrait être de 8,04, mais pas 9,24. Et quand une famille paye 8,04, combien la ville prend en charge ? Du coup, quel est le coût du repas ? Raisonnement ? Le repas, c'est toujours le même. Hein, qu'on... Le coût. Eh ben, c'est la différence entre 9,24 et 8,04. D'accord. Ça fait donc un 20 qui reste. Mettez votre micro. Je m'étonne que pour les élèves qui ont un PAI, c'est-à-dire qu'ils amènent leur panier de repas, il y ait seulement un abattement de 30% et qu'ils ne soient pas plus d'abord. 30%, c'est la même chose, c'est la même chose qu'avant. C'est le montant sur le coût du revient du repas. Les 30% représentent le coût de la nourriture. Est pris en charge par les parents. La nourriture, puisque c'est eux qui l'amènent, mais derrière, ils payent les agents de restauration, les animateurs qui les surveillent, les fluides, voilà, et l'amortissement des bâtiments. Mais en tout cas, pourquoi les familles qui ne transmettent pas leur avis d'imposition devraient payer le montant ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient qu'à le fournir. Parce que c'est notre... Non, mais attendez, alors, je vais vous expliquer une chose. Il faut quand même savoir... qu'il y a plus de 80%, je crois 85%, qui ont donné leur revenu. Les autres ne veulent pas. Je voudrais quand même rappeler, parce que ça a été dit, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu, le revenu fiscal de référence moyen sur la ville, vous savez combien il est ? 79 333. Le revenu médian, il est de 69 000. Donc, si ces personnes ont décidé qu'ils ne voulaient pas nous donner ce que là, libre à eux, mais on applique effectivement le tarif maxi, et c'est aussi simple que ça. Et si jamais d'aventure, il y en a qui changent d'avis et qui nous donnent le revenu, on recalculera. C'est déjà fait. Il y a des gens qui, en septembre, ne l'ont pas donné. Quand ils ont vu arriver leur première facture, nous ont alertés en nous disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on leur a expliqué que c'était écrit dans le règlement de la restauration scolaire et qui, du coup, nous ont fourni leur avis d'imposition. Honnêtement, je ne suis pas certaine que juridiquement, vous pouviez faire payer pareil quelqu'un qui est extérieur à la ville que quelqu'un qui refuse de transmettre son avis d'imposition. Je suis désolé, nous avons posé des règles, nous avons informé les familles, nous les avons relancées, elles sont parfaitement au courant. Donc chacun prend ses responsabilités. Merci. Monsieur Ljubanovitch. Merci, monsieur le maire. Je voulais remercier énormément les services, forcément, pour le travail qui a été fait derrière, de récolte des données et du coup du calcul, et aussi leur disponibilité suite à la dernière commission pour juste nous assurer d'avoir bien compris la délibération. Et évidemment, je ne peux que me réjouir de la fin du tarif unique de la restauration scolaire. Et vous vous doutez bien que mes prédécesseurs ont été informés. C'est ce que je vous ai demandé en commission scolaire. Exactement. Et ils ont été informés et sont tout aussi ravis que moi que nous mettions en place cette mesure, qui est une mesure de redistribution, une mesure de justice sociale dans notre commune. Et si je me souviens bien, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important à dire, que si je me souviens bien des chiffres que vous aviez donnés en commission scolaire, que 22% des familles devraient bénéficier du tarif minimum de 2 € le repas. Merci. Bon, écoutez, je pense qu'on s'est bien expliqué. Madame Singer, vous avez des remords ? Ben oui, on ne sait jamais. Allez-y, madame. Ça ne marche pas. Oui, juste... Pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un effort de justice sociale qui a prévalu à cette décision ou juste un rétablissement des finances, mais il me semble plutôt que c'est le deuxième cas. Et juste une petite remarque, on a été alerté par les associations de parents d'élèves qu'elles n'avaient pas été concertées avant de prendre cette décision. Et on peut se demander pourquoi, parce que peut-être qu'il y avait d'autres solutions à trouver que d'un seul coup d'imposer
des hausses importantes à de nombreuses familles. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai entendu les parents d'élèves, je les reçois tous, enfin, je reçois les parents d'élèves élus demain soir. Demain. Après le conseil, oui, parce que sinon, c'est pas, je peux pas leur donner les chiffres avant. Alors, c'est une première chose. J'appelle la concertation. La concertation, excusez-moi, mais j'en fais tous les jours. J'ai mangé avec tous les parents d'élèves pendant 15 jours là, dans les restaurants scolaires, et j'ai fait de la pédagogie. Ensuite, on a eu une réunion il y a un mois et demi avec notre prestataire, et nous avons parlé déjà des tarifs en leur expliquant que nous allions être confrontés, aussi bien la ville de Maisons-Laffitte que la société Compass, à des hausses très importantes, et qu'il fallait s'attendre, qu'on avait mené une étude, et que cette étude était... l'étude était très compliquée. Cette mise en place de ces tarifs, ça fait 18 mois qu'on y travaille, au moins. Oui, c'est ça. Attends, bon, je vais juste terminer. Donc, voilà, 18 mois de passage entre la société Calia, nos services financiers qui ont fait un travail super et complet, et Dieu sait si on les a embêtés parce qu'on a fait plusieurs scénarios, je ne sais pas à combien de scénarios on est, et le service scolaire qui, eux, sont amusés à avoir tous les avis d'imposition. Voilà, donc je pense que la concertation... Alors, je voudrais ajouter une chose, madame, parce que quand vous parlez de concertation, moi, je vais parler responsabilité et objectivité. Parce que nous avons demandé depuis le mois de juin aux familles qu'il va y avoir un système. Si moi, je reçois une lettre de la mairie en disant « Pour les nouveaux tarifs, on vous demande vos revenus », il y a un moment, je pense que nous avons des gens qui sont intelligents et ils ont parfaitement compris. La preuve, c'est qu'il y a plus de 80% qui les ont donnés. Donc, il ne faut pas me raconter des histoires. On passe au vote. Qui est contre ? Non, madame, on va avancer maintenant, juste, s'il vous plaît. Non, mais j'ai juste commencé, une question. J'ai levé la main auparavant, excusez-moi, mais ça non, sera rapide. Non, vous n'avez pas levé la main, alors si, allez-y. Si, c'est juste pour justement savoir, par rapport à ce mécanisme de la personne qui ne donne pas son avis d'imposition, qui est au prix de revient, c'est-à-dire sans subvention de la ville. Par rapport à la petite enfance, j'avais en tête, mais je me trompe peut-être, que pour les crèches, quand les parents ne donnaient pas l'avis d'imposition, ils étaient au taux maximal. Est-ce que la subvention est en dedans ? Est-ce qu'on a la même, on applique les choses c'est de la même manière ? C'est la même logique, oui. Oui, la logique, merci. Oui, mais je voulais savoir précisément. Voilà, c'est la même logique. Bien, alors qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, on poursuit. Maintenant, le stationnement payant. Monsieur Franck Lelièvre. Donc le stationnement payant pour le parking d'intérêt régional, le parking des graviers, les zones vertes et oranges. Donc il s'agit d'une augmentation différenciée. Pour le parking du PIR, il vous est proposé de conserver la gratuité de la première heure afin de favoriser le commerce local, puis d'augmenter les tarifs applicables de 10 centimes. Les abonnements sont quant à eux augmentés de 3,5%. Pour le parking des graviers, il est proposé une augmentation des tarifs de 3,5%. Sur le stationnement de surface, d'abord en zone verte, il vous est proposé de maintenir les tarifs existants jusqu'à 4 heures, puis de les augmenter de 10 centimes jusqu'à 6 heures et de 20 centimes jusqu'à 8 heures. En zone orange, il est proposé d'augmenter les tarifs existants de 10 centimes à partir de 30 minutes. Il vous est également proposé d'augmenter de 3,5% les abonnements en zone verte. Enfin, il vous est proposé de maintenir le montant du FPS à 30 euros en zone verte et en zone orange. Pas d'objection ? Qui veut s'exprimer ? C'est bon ? Adopté. Merci. Alors, le point 27, où je vais poser la question, demander à Yann et à Philippe Mourgue de nous expliquer le forfait fluide pour les équipements communaux. Alors, on a déjà pas mal parlé depuis le début de la séance. On va avoir des coûts énergétiques qui vont passer de l'ordre de 1,1 million d'euros à, on ne sait pas exactement, mais de l'ordre de 3,5 millions d'euros.
Alors, pour faire face à ces coûts supplémentaires, on a déjà annoncé pas mal de choses. Les vœux du maire qui ne seront pas organisés cette année, les illuminations de Noël qui sont diminuées, certains équipements sportifs couverts qui vont être fermés durant les vacances de Noël, le centre aquatique, on en a parlé tout à l'heure, les activités sauna, hammam, etc. On a eu de la chance, la météo clémente nous a permis de déclencher le chauffage un peu plus tard dans les équipements communaux. On a mis un système de modulation de température et d'ajustement à la baisse sur certains sites en fonction des usages. Et il y a une campagne de sensibilisation de tous les services municipaux pour rappeler les bonnes pratiques. Donc, au-delà de ça, on se rend compte que les équipements sportifs, ça représente 21% des coûts énergétiques de la ville. C'est pourquoi, étant donné cette envolée des coûts, on n'a plus d'autre choix que de faire porter une partie des coûts de ces fluides sur ses utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on a appelé un forfait fluide, qui sera basé sur les coûts énergétiques. Alors, comment on s'y est pris ? Première étape, ça a été de déterminer les coûts par équipement. Donc là, encore une fois, ça a été un gros, gros travail des services, d'essayer de comprendre par équipement, par salle, quelle est combien ça coûte en eau, en électricité, en gaz. Ensuite, il a fallu faire établir un barème au plus juste et acceptable pour les associations. Donc, on est parti de la durée totale d'ouverture des équipements. Et ça, en faisant une simple règle de 3, ça nous a donné un coût à l'heure. Voilà. Et donc, c'est le coût que vous avez dans le tableau. Donc, par exemple, une heure de salle multisport à Colbert, ça coûte 4,10 €, en prenant en compte, enfin, en faisant des estimations sur l'année 2023. Donc, on a établi ce tarif. Et après, la dernière étape, c'était, bien sûr, de ne pas mettre les associations en difficulté, puisqu'on avait bien conscience qu'elles avaient déjà, annoncé à leurs adhérents le montant de leur subvention, que statutairement, il est bien sûr possible de faire une assemblée générale en cours d'année, mais on a bien conscience que ce n'est pas évident. Donc, on a dit, on fera un appel de fonds en septembre. Donc, c'est-à-dire qu'on va les prévenir de ceux qui sont susceptibles de payer, et ils auront de janvier, donc à partir du mois de janvier, le chrono se met en route, et ils auront jusqu'au mois de septembre pour trouver une méthode de paiement. Alors, soit ils pourront piocher dans leur trésorerie, soit ils pourront décider de faire des activités complémentaires pour apporter des revenus, soit ils pourront augmenter leur cotisation en septembre 2023, ce qui leur permettra d'avoir la trésorerie nécessaire pour faire face aux coûts, encore une fois, modestes que nous allons demander aux associations. Voilà en gros. Alors, je voudrais vous dire une chose, un instant. J'ai souhaité effectivement que ça soit quelque chose que les adhérents et que les associations comprennent, que s'il y a des manifestations ad jorno toute la nuit, ça a des coûts. Dans mon esprit, il était hors de question, et il est hors de question de taper ça et de défalquer ça des subventions. Parce que si tel avait été le cas, les adhérents, les associations n'auraient pas pris en compte le fait que eau, gaz, électricité, ça coûte. Nous avons décidé effectivement, et nous ne sommes pas la seule ville à le faire, puisque ça a commencé très tôt dans un certain nombre de villes en province et ailleurs, et nous avons bien évidemment regardé ce que ça pourrait coûter par adhérent. Et là, je peux vous dire, c'est quelques euros par mois. C'est-à-dire, c'est pratiquement peanuts. Parce que ramener actuellement, le coût, c'est 120 000 euros. Si vous le distribuez un peu partout, vous vous apercevez que c'est peu de choses. Bien sûr, c'est, je dirais, en raison de ce qui nous est demandé aujourd'hui. Si d'aventure, effectivement, ça s'envole, et c'est malheureusement une crainte, ça risque d'augmenter. Mais lorsque nous avons calculé ce que ça pouvait représenter, par exemple, je vois une association, elle pourrait payer 15 euros par an. Divisé par 12, ça fait quand même pas beaucoup. Et vous en avez d'autres, ça risque d'être très peu. Et ce sera facturé, du moins
la douloureuse, si je peux m'exprimer ainsi, sera envoyée au 1er septembre. Voilà. Et non pas, il ne fallait pas baisser les subventions, car il faut qu'il y ait une prise de conscience. Hein. Et cette prise de conscience, c'est dans ce que les associations vont demander aux adhérents en disant « Nous sommes obligés maintenant de participer à ces frais. » Bien évidemment, la ville ne va pas facturer les couloirs au POPD, c'est très compliqué, etc. Ça, ça reste à la charge de la ville. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, M. Lubenovitch, et ensuite Jean-Claude. Merci, M. le maire. Déjà, première chose, heureusement que depuis le dernier conseil, on passe à une facturation à septembre et plus à janvier, parce que c'est vrai que la dernière fois, vous nous demandiez de faire passer justement aux associations, de leur rappeler qu'elles pouvaient faire des AG pour tout changer, ce qui était un peu compliqué en cours d'année. Ensuite, j'avoue avoir un léger problème, mais qui est assez idéologique, avec la manière dont le calcul est fait finalement. Pour une économie qui est de 120 000 euros, visiblement, de faire porter, ce qui est un changement dans la philosophie municipale, de faire porter toute la charge des fluides aux associations, et pas seulement l'augmentation, c'est la manière dont ça a été présenté. La totalité de la charge des fluides divisée par le nombre horaire, donc finalement l'association, sur son heure d'utilisation, porte toute la charge énergétique, et pas seulement, par exemple, l'augmentation, ou même aurait pu payer la base et la mairie prendre en charge l'augmentation. Il y a vraiment un changement dans la politique, dans la vision qui est présente là-dessus et qui pourrait être pérennisée, y compris post-période d'augmentation des prix. Et là, moi, je trouve ça embêtant comme vision. Derrière, même si on ne veut pas gréver les subventions, ça pourrait être assez intéressant quand même d'avoir, vis-à-vis des subventions l'année prochaine, finalement, combien la mairie verse, combien les associations ont dû reverser à la mairie par rapport à cette nouvelle tarification. Et merci. Finalement, dernier point, dans une question de long terme, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette augmentation des coûts durera par rapport à nos centrales nucléaires, par rapport à la guerre russe en Ukraine, par rapport aux sécheresses qui affectent nos barrages hydrauliques, quels sont les investissements peut-être urgents qui seraient prévus pour diminuer ces factures énergétique dans les salles et donc finalement les factures des associations. Alors Yann. Alors je vais répondre sur la quote-part. Alors effectivement, la ville l'année prochaine va bel et bien prendre une quote-part puisque dans notre méthode de calcul, on a considéré une très faible augmentation des fluides entre 2022 et 2023. On a pris le coût 2022 et on a augmenté de 10% pour obtenir la base de 2023. Et malheureusement, j'ai peur que ce soit beaucoup plus. Donc, je pense que les associations paieront loin de la totalité des fluides qu'elles vont consommer. J'ajoute même une chose, parce qu'il faut insister, que certaines associations avec lesquelles nous sommes en dialogue ont déjà compris le système et on n'a eu aucun problème. Ça, alors là, Jean-Charles Philippe, tu veux ajouter quelque chose ? C'est pas possible. Non, effectivement, lors des COP, toutes ces règles ont été rappelées, ont été précisées. On a bien évidemment pris en compte, hein, comme ça avait été dit, le fait que même si juridiquement il est tout à fait possible de convoquer une assemblée générale à tout instant, éventuellement pour prendre en charge, ou prendre en compte plutôt une augmentation des coûts à répercuter dans les cotisations, en pratique, ça n'est évidemment pas opportun ou possible dès lors que quelqu'un a payé sa cotisation pour l'année. Certaines associations sportives qui ont des assemblées générales bien avant l'été, ont déjà pris en compte la chose éventuellement pour prendre sur leur fonds et donc anticiper effectivement le coût à répercuter ou qui sera envoyé en toute cause en fin d'année comme ça a été appliqué, sachant que le deuxième semestre 2023, hein, c'est ce qui est indiqué dans la délibération qui est soumise au vote, est envoyé au premier trimestre de l'année suivante. Donc ce qui fait que comptablement, il y a quand même une latitude pour éviter justement d'impacter les associations. J'ajoute très simplement que lors de ces réunions avec les différentes associations demanderesses de subventions, il faut rappeler que les subventions visent avant tout à accompagner des projets. Hein, donc on peut tout à fait effectivement par pédagogie expliquer le moment venu, voir l'impact entre l'impact énergétique et les subventions qui pourraient être versées. Mais ça sera quelque chose qui sera vu l'année prochaine au regard en plus des hypothèses, si on veut être totalement transparent, de coûts de l'énergie pris en compte, alors qu'il y a aussi la réalité de ce qui, malheureusement, sera impacté sur la ville, compte tenu de l'hypothèse de 10% d'augmentation des fluides pris en compte.
Merci, Madame Lavagne. Jean-Claude avant, parce que, pardon, Jean-Claude était avec... Oui, donc merci d'avoir tenu compte de l'observation de reporter en septembre. Par contre, il faut l'anticiper, parce que si vous le donnez l'augmentation au mois de septembre, ils ne pourront pas l'inclure dans leur cotisation. Donc il faut avoir le montant avant. Ce serait bien de l'avoir dès juin, l'anticipation, de manière à ce que les associations puissent compter dans leur formulaire, leur bulletin d'inscription, etc., pour septembre. C'est une première chose. Deuxième chose, quand vous dites on a réparti par salle et par les fluides, électricité et eau, je me demande comment vous faites, parce que là, les douches, c'est... Pardon ? Si, il a dit formule générale de l'envolée de tout. Ah oui, d'accord. C'est électricité et chauffage, quoi, c'est ça. Mais... C'est quoi ? Alors, sur ce point précis... Attends. Et il y a des augmentations maintenant donc de tarifs horaires qui sont très importants, qui vont impacter certaines disciplines, comme le tennis de table, par exemple, vendredi soir, qui ont des compétitions, c'est vrai, assez tardives. Maintenant que vous comptez 59 euros de l'heure, ils vont annuler ces compétitions. Donc, ça va gréver l'activité de l'association. On avait un tournoi de judo, où parfois tu es venu, qui était annuel, qui avait lieu donc depuis longtemps. On leur compte pour un week-end 6 300 euros. Donc ils ont annulé leur venue, bien évidemment, et Maison Lafitte n'aura plus ce tournoi de judo qui était annuel. Donc 6 300 euros pour un week-end. On avait dit qu'on ne facturait pas des activités sportives. On ne facturait les établissements, les gymnases ou autres, que lorsqu'il y avait des activités commerciales ou lorsque des professeurs faisaient, pendant les vacances, quand c'était ouvert, à l'époque où c'était ouvert, des activités professionnelles où ils étaient rémunérés. Mais pas les clubs et pas les associations sportives. Alors, 6 300 euros pour un week-end, ça fait non, cher. Non, mais attends, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, bon, premièrement, dès demain, nous allons écrire à toutes les associations pour leur dire « Voilà la situation, voilà ce que vous devez prévoir. » Et vous serez facturé au 1er septembre. Donc ça règle le problème. On en a beaucoup discuté entre nous, etc. Sur les manifestations, je dirais, moi, j'ai été très frappé d'avoir été saisi par un grand club de la ville de manifestations par une fédération qui était dans le sud et qui, tout d'un coup, voulait arriver à Maison Lafitte. Bah, désolé, on ne peut pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et non, donc, c'est le judo, c'est oui, mais pas même, le sud même de la le France. Judo, parce que finalement, ils ont un truc de repli, ils vont aller dans une autre ville, dont acte. Bah oui. Mais je suis désolé, c'est quelque chose. Vous permettez ? Mais qu'est-ce que vous avez, Madame Lavagne ? Je suis désolé, maire, c'est madame. Juste dommage pour Maison Lafitte. Mais écoutez-moi, je suis désolé, il faut regarder la réalité en face. Ah. Et la réalité, c'est que. On ne peut pas se permettre ce genre de choses à longueur de temps. Il y a une manifestation. Hein, il y a une manifestation, je vais la dire, c'est la danse de salon. On a regardé les coûts de ce que ça représente. C'est gigantesque. Gigantesque. Et on va quand même essayer de la maintenir parce que c'est une aura pour la ville. Mais quand on vient vous dire, ah ben ce serait bien qu'on aille à Maison Lafitte ou ce serait bien, etc., on est désolé. Tout ça, ça se programme. Et en l'occurrence... C'est ce qui nous est tombé sur le rable. Tout d'un coup, voilà, il faut faire ça. Ben, je suis désolé, on ne peut pas tout faire. Charles-Philippe. Attendez, il faut en complément de ce qui est dit par le maire sur ce cas-là. Attends, je réponds au maire. Contrairement dans ce salon, effectivement, où il y a un investissement d'installation, il n'y a pas de coût pour le judo. Et donc 6 300, et là, je veux avoir l'explication quand même. 6 300 pour un week-end. Oui, mais je vais te dire une chose, c'est que ça nous est tombé sur l'orable et que c'était pas... Mais je suis désolé. Tout d'un coup, c'est à Maison Lafitte que ça doit se passer alors que ça peut se passer ailleurs. Eh bien, on n'a pas été capable de faire face. Charles-Philippe, s'il te plaît. Pardon, simplement pour apporter un complément, puisqu'on n'est pas dans une discussion bilatérale, sur le cas précis qui a été donné.
Je rappelle simplement que les services du sport et les élus en charge du sport essaient toujours de trouver les solutions les plus arrangeantes possibles. Ça, je pense que c'est une constante pour essayer de voir comment accompagner les clubs par rapport à leurs demandes, par rapport aux différentes contraintes de salles. Donc, il est évoqué là un montant de 6 000 euros, c'est exact. Ce qui n'est pas évoqué en revanche, et pour être tout à fait puriste aussi, il faut le dire, c'est qu'une solution alternative a été proposée au club, mais qui avait déjà pris ses dispositions pour se mettre ailleurs. Une solution alternative qui aurait été d'un coût, certes, impactant ce qui a été effectivement évoqué depuis tout à l'heure en termes de coûts, c'est vrai, mais d'un montant nettement moindre, qui n'aurait sans doute pas conduit à fragiliser, effectivement, à rendre impossible l'activité en question. Pas. La salle ne correspondait pas aux besoins. Madame Lavagne, quel que soit le montant, vous savez que si vous étiez dans une autre assemblée, vous avez été rappelé à l'ordre par la présidente. Monsieur le maire, je vous ai vu député. Je vous ai vu député quand j'étais moi du côté des banques, du commissaire du gouvernement hurler dans la. Vous mélangez un peu les genres. Alors, Charles-Philippe. Vous aussi, en même temps, hein. Vous avez donné le là pour le mélange des genres. C'est pour vous former, parce que vous êtes encore très loin. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, les échanges ont eu lieu avec la section par rapport à la demande qui a été faite sur cet événement qui aurait quand même pu se tenir au POPD. Donc là, si le club en question a d'autres questions, il peut tout à fait se rapprocher de moi ou du service des sports. Mais ça, ça a été effectivement apporté. Après, concernant les facturations de salles, je pense qu'il est aussi important de rappeler que même s'il y avait eu un usage qui avait pu être précédemment appliqué par précédent directeur des sports, la règle, en tout cas, de louer les salles et les équipements n'est pas forcément nouvelle en soi. En revanche, le contexte, là aussi, économique est lié à l'impact de l'envolée des coûts énergétiques, justifie aussi un peu plus de rigueur dans la manière dont les demandes d'équipement peuvent être traitées. Bien. Je ne peux pas accepter cette réponse. Je suis désolé. Il faudrait peut-être un peu mieux connaître l'historique, d'abord, parce qu'il avait toujours été dit qu'on ne facturait pas les activités sportives dans des gymnases. Ça a été voté au conseil municipal précédent, il y a bien longtemps. Donc là, je n'ai pas la réponse, parce que 6300 ou 3000, ce n'est pas une question de montant dans ce cas-là. C'est une question de pourquoi on les facture. Jean-Claude. Ça n'a rien à voir avec les fluides, là. Ça n'a rien à voir avec les fluides. Si, pourquoi si, vous facturez si, une... Si, si, non. Si, si. Non, je suis désolé. 6300, c'est les fluides. Non, Jean-Claude, non, s'il te plaît. Jean-Claude, s'il te plaît. Il fut un temps, effectivement, où nous avons mis à disposition toutes les salles gratuitement. Je peux te dire que dans certaines villes non loin d'ici, lorsqu'il y avait des demandes de salles, ils les payaient. Et à un moment, il faut regarder. Nous avons été effectivement en possibilité de mettre ça gratuitement. Alors maintenant, pour les événements qui seront, je dirais, qui auront une connotation, compétition pour la mise en valeur de nos enfants, nous allons regarder. Mais il faut regarder la réalité en face. C'est que derrière... Surtout quand, par exemple, il y a des associations qui tapaient la balle jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Ce n'est pas possible. On m'a demandé une salle pour recevoir une amicale de policiers. Ça n'a pas pu se faire parce qu'ils allaient jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc, il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Maintenant, si nous avons effectivement un certain nombre de manifestations avec des enfants, des tournois, etc., on regardera ça calmement. Ça, c'est clair. Mais on n'est plus dans l'ère de la gratuité et nous sommes responsables devant ce qui se passe. Madame Géin. Oui, merci. Le premier point, je voudrais rappeler quand même que les COP ne sont pas des subventions de fonctionnement. Donc, c'est bien gentil de dire on ne les baissera pas. Les COP, ça correspond à quelque chose, c'est-à-dire l'association a un projet, ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à la pratique féminine, par rapport à un gala spécial, à un concours spécial. Donc, les COP, vous êtes en train de faire une espèce de lien, mais c'est pas un lien. Il n'y a pas de lien entre les COP et le fonctionnement. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, je voudrais revenir sur la liste des arbitrages que vous nous avez présentés. Vous citez des mesures qui, en fait, existent depuis quand même assez longtemps. Donc, ça veut dire que dans votre réflexion, vous avez repris des anciens points pour nous les présenter.
Alors, par exemple, on les veut, on les fait depuis 2019. D'abord, l'hippodrome est fermé. Donc, ce n'est pas une nouvelle mesure qui fait que vous expliquez maintenant que vous n'avez pas d'autre choix que de faire payer les associations. Le chauffage mi-novembre dans les locaux, ça a toujours été comme ça aussi. C'est regrettable parce que c'est très difficile mais pour les agents, mais c'est comme ça. La modulation, elle existe aussi depuis quelques années. Dans tous les bâtiments municipaux, qu'ils soient sportifs ou culturels, il y a une société qui passe avec son appareil, qui vérifie, qui règle, etc. Ce n'est donc pas non plus une nouvelle mesure. Quant à la sensibilisation des personnes dans les services, je pense que ça aussi, ils en ont entendu largement parler. Donc tout ça, ce n'est pas de nouvelles mesures. Les nouvelles mesures, c'est la fermeture, effectivement, de la piscine et surtout la facturation des associations. Donc c'est un choix délibéré. Mon troisième point, je finirai par là, c'est la question des 59 euros dont Jean-Claude vient de parler également. Première question, est-ce que vous facturez les fluides en plus des 59 euros? Deuxième question, pouvez-vous nous dire exactement à quoi correspond cette somme de 59 euros? Il y a des moments, ce n'est pas la peine de, je dirais, refaire l'histoire. Effectivement, et il y a un certain nombre de villes alentour en ce qui concerne les vœux qui les suppriment. Toutes, sans exception. Il y en a qui les maintiennent, dont acte. Personnellement, effectivement, compte tenu du coût que cela représente, indépendamment du fait que nous le faisions à l'hippodrome, c'est maintenu et il n'y en aura pas. Les périmètres des illuminations, je vous rappelle que ce qui coûte cher dans les illuminations, ce n'est pas les LED là, qui sont en train de briller actuellement, c'est monter et descendre les installations. Et c'est exactement ce que j'ai demandé, c'est-à-dire on laisse les illuminations uniquement en centre-ville et nous avons fait ainsi une économie de 150 000 euros. Donc, il est 60 000, tu es sûr? Oui, il me semble que c'est plus. Bien, ouais, laisse tomber. Et ensuite, en ce qui concerne toutes, je dirais, la pédagogie du système. Il est fondé effectivement sur qu'on maintient a priori, on a des éléments avec les associations pour les COP. Et cette fois-ci, on leur dit, on ne va pas prendre ça sur vos subventions parce que vous avez des projets. On est même capable de monter certaines ou d'en baisser d'autres en fonction des projets. Mais il est important que ce soit les individus, les membres des associations qui aient conscience des coûts. Je vous rappelle, parce que c'est très clair, en temps normal, eau, gaz, électricité sur toute la ville, c'est 1 250 000. Les estimations de l'an prochain, c'est entre 3,6 et 4,6. C'est ça la réalité. C'est pas la peine de se polémiquer. C'est ça la réalité. On accepte ce système et on fait face ou on baisse les bras et à ce moment-là, on ne remplit pas les missions de service public qui sont les nôtres. Charles-Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, très rapidement, il y a une communication quand même qui a été envoyée à l'ensemble des associations sportives relatives justement aux modalités de facturation sur la mise en place justement d'un forfait fluide à compter du 1er janvier 2023. Et en complément, il est important de rappeler aussi les règles de mise à disposition des installations sportives. Donc cette communication a été faite il y a plusieurs mois de cela, en rappelant notamment que les rencontres sportives non obligatoires sollicitées par les comités, ligues ou fédérations feront l'objet à minima d'une facturation systématique des heures situées en dehors des heures d'ouverture habituelles de l'équipement, autorisation et facturation de la mise à disposition globale en fonction des besoins sollicités. Donc voilà, là quand même, il y a eu une information qui a été passée. Donc même si on peut tout à fait concevoir que par rapport à des stages, des pratiques précédentes, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Encore une fois, personne n'en disconvient. On ne peut pas dire que l'information n'a pas été partagée aux associations qui feraient la demande de réservation, dont l'impact, effectivement, que je viens de le rappeler, serait à compter du 1er janvier 2023. Et ensuite, on passe au vote. Vous n'avez pas répondu à ma question sur à quoi correspondent exactement les 59 euros, s'il vous plaît. Jean-Philippe. Correspondre au coût horaire de location d'un des équipements. Voilà. D'accord, mais comment vous l'avez calculé, ce coût horaire? Il était calculé en fonction de l'utilisation, en fonction de l'eau, du gaz, de l'électricité et du personnel. Pas du tout, puisqu'elle est fluide pour ça. Madame, j'ai un... Il y a le taux des fluides, donc les 59 euros, je vous demande. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, c'est calculé en fonction d'un certain nombre de critères calculés par les services.
Et quels sont les critères, s'il vous plaît? Vous comptez les fluides en plus. Mais non. Mais si. Mais non, vous comptez les fluides en plus. Donc, ça n'a rien à voir. Expliquez-nous les 59 euros. Et la location d'un certain nombre de salles qui sont votées par le conseil municipal aussi. Je vous rappelle que moi-même, j'ai payé, lorsque j'ai pris un équipement, j'ai payé moi-même la location. Et donc, certaines n'ont pas voulu le payer, n'ont pas eu la salle. Mais vous n'êtes pas une association? Oui. Mais je l'ai fait. Là, on l'a toujours appliqué comme ça. À titre d'une association. Et pourquoi on change? Voilà, merci. Alors maintenant... Donc on ne saura pas à quoi correspondent les 59 euros. Oui. Alors, Madame Théron. Oui, ce que je constate, c'est pareil. C'est qu'effectivement, on demande les fluides. La participation aux fluides est quelque part assez modique quand on regarde la délibération qui nous est présentée. Mais on est effectivement dans un phénomène d'escalier. Voilà. On est dans un phénomène d'escalier, c'est-à-dire que ça se rajoute à autre chose. Et notamment, cette facturation de l'utilisation des salles, notamment pour les associations non sportives, qui se sont retrouvées avec de passer de 0 à 59 euros, effectivement, et donc qui ont annulé leur programmation. Et je vous le rappelle, ces associations, qui bien que parfois bénéficient d'une petite subvention de fonctionnement, sont financées essentiellement par leurs cotisations, par des membres, par des personnes physiques qui, elles aussi, supportent un pouvoir d'achat obéré, des difficultés face à la crise également, et qui n'ont pas forcément envie de payer plus leurs cotisations. Le résultat, ça peut être moins de membres, des associations qui annulent et qui font moins d'événements, des associations qui sont fragiles et qui vont disparaître. C'est ça qui me choque. Et autre chose également, dans cette délibération qui me fait réagir, qui m'inquiète énormément, c'est la phrase qui dit que la grille tarifaire présentée pourra être réajustée courant 2023 en fonction des tarifs de gaz et d'électricité payés par la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a posteriori, vous dites en septembre, finalement, c'est pas, je ne sais pas, 500 euros, c'est 1500. Quels sont les critères? Quels sont les garde-fous pour protéger ces associations dans le temps et pour être certaines qu'elles ne vont pas finalement s'exposer à des tarifs qu'elles sont incapables de supporter? Alors, je vous ai déjà dit que les tarifs du gaz et de l'électricité par les salles payées par les associations, c'est quelques euros par mois. Alors, il ne faut pas me raconter l'histoire. La démagogie du bistrot, ça ne passera pas. Je vous le dis comme je le pense. J'ajoute une chose, c'est que les 59 euros sont des tarifs que vous avez votés ici. C'est ça qu'il faut regarder. Et pas, voilà. Maintenant, je passe au vote. Qui est contre? Alors, sur ce dernier trade que vous venez de qui sortir... Qui est contre? Je vous signale que la question qui avait été posée lorsque ça avait été voté, c'est que ça ne servait pas pour ça. Je suis désolé, c'est la location des salles pour des gens extérieurs. La réponse que vous aviez faite depuis 2020, monsieur le maire. Alors, Nicolas, une dernière fois, vous voulez vous exprimer? Oui, parce que ma dernière question n'a pas eu de réponse. Laquelle? Sur, oui. Enfin, sur quoi? Mais c'est quitte à revenir là-dessus, sur la question des investissements futurs. Donc peut-être pour monsieur Kopelianski là-dessus, mais sur, pour se dire comment on fait pour diminuer ces charges vis-à-vis des associations. Alors, c'est d'une manière générale, nous sommes en train de regarder partout où nous pouvons effectivement améliorer, notamment les LED qui vont aller un peu partout. C'est ensuite des possibilités de voir dans quelle mesure le photovoltaïque pourrait être installé dans un certain nombre de coins, mais ce n'est pas évident non plus à ce propos. Les réseaux de chaleur sur lesquels nous avons eu des échanges approfondis, notamment avec la DTT, montrent que c'est extrêmement difficile et qu'il n'est pas du tout certain que nous y arrivons compte tenu des coûts du génie civil. Donc c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, notamment en liaison avec la communauté d'agglo. Voilà, donc c'est une liste totale, nous ne fermons aucune disposition. Maintenant, je passe au vote, parce que qui est contre? Non, je vous prie, qui est contre? Très bien, je vous remercie. Qui s'abstient? Je vous remercie, on passe. Et croyez-moi que je me chargerai, j'aurai grand plaisir à ne pas regarder la réalité en face et éviter ce genre de délibération qui est malheureusement indispensable. Alors maintenant, on passe au point de la cession de véhicules. Claude? Oui. Bon, ça s'appelait Web Enchères, maintenant c'est Agora Store. Donc parmi les véhicules, il y a une Clio 2502 euros, une Clio 1941, un Kangoo 5899, un autre Kangoo 7319, un autre Kangoo 8096, un autre 6019,
un frigorifique 18 234, un tracteur Kubota 5 182 et un Nissan Altéon avec deux bennes 27 025. Donc je vous demande d'approuver ces ventes via Agorastore. Remarque, il n'y en a pas. Qui est contre? Oui, monsieur Liégeois. Ces véhicules vont être remplacés. Comment ça se passe? Ça dépend lesquels? Ça dépend, exactement. Par quel type de véhicule? On a souvent des Kangoo, là. Plutôt gaz qu'électrique. Et est-ce qu'il y a quand même des électriques de prévu ou pas? Pour le moment, non. D'accord. Vous en êtes encore à l'électricité, monsieur Liégeois? On a augmenté le gaz de 1 euro le mégawattheure à 80. Donc, alors, le bilan carbone, demandez à monsieur Tavares, il va vous le dire. Mais monsieur Tavares, il était intéressé par les véhicules thermiques. Donc, c'est une erreur tragique. C'est le seul à le dire. C'est une erreur tragique. C'est pas l'avenir. La voiture électrique n'est pas l'avenir. Avec le nucléaire français, si. Tu parles. Au bout de 500 km, tu vas tomber en rade et à ce moment-là, il faudra y passer. Ça, c'est un autre problème. Demandez à Jean-Claude Giraud, pour une fois, il y connaît bien. Voilà. Mais il n'y a pas que pour une fois. Oui, aussi. Allez. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Madame de Balanda, DSP. Vous savez tous que la procédure précédente de délégation de services publics s'est révélée infructueuse et qu'on a donc passé une convention avec la société Equinvest pour gérer le CHML. Nous souhaitons donc relancer une procédure de délégation de services publics et nous vous demandons donc de nous autoriser, d'approuver le principe de gestion dans le cadre d'une DSP et de nous permettre de relancer la procédure de délégation de services publics. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Lubelevitch. Remarque, je ne sais pas, plus une question. C'est vrai qu'on relance de nouveau cette DSP, ce qui est logique, on ne peut pas gérer un centre équestre en régie, mais de ce qu'on a pu comprendre en commission, sans forcément changer le cahier des charges. Et du coup, la question qui se pose, c'est on réessaye de nouveau avec exactement les mêmes critères, quelque chose qui n'a pas réussi avant. Est-ce qu'on peut avoir des retours sur pourquoi ça n'a pas réussi, au-delà de la question Covid, parce que je pense qu'on a quand même un peu... Enfin, les gens reprennent aujourd'hui, et... pourquoi, finalement, on ne change pas le cahier des charges pour répondre à ces retours? Alors, le cahier des charges n'est pas encore tout à fait rédigé. Et donc, on va le rédiger de telle manière que, bien évidemment, on met à la charge très souvent, non pas des investissements, mais des améliorations, etc. Et donc, ce sera en fonction de ça. J'ai bien noté, effectivement, votre interrogation. Mais le problème, à mon avis, il est plus ample que cela, c'est de savoir s'il va y avoir des candidats qui vont venir ou non. Et donc, c'est là où on va faire un peu de publicité pour intéresser, un opérateur à reprendre ça. Mais il y a un problème, effectivement, de définition du cahier des charges qui n'est pas encore complètement arrêté. Il me semble qu'on avait un contentieux avec l'UCPA. À l'époque, on avait un contentieux avec l'UCPA. C'est à l'époque, terminé. C'est terminé depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il en est devenu? Pardon, c'est terminé, oui. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire que je crois qu'ils ont retiré leur... Ils ont retiré leur requête. Ils ont perdu, en fait. C'est terminé. Oui. Et là encore, il y avait une clause qui était problématique. À mon avis, c'est comme ça, c'est passé. Ça appartient au passé. Madame? Non, ils n'ont pas perdu, ils ont gagné. Et on a dû réécrire. On a dû réécrire l'article dans le cahier des charges. Bien sûr que si. Mais non. Parce que derrière, Madame Géin, administratif, a estimé contraire à l'ordre public. Dont acte, elle a été annulée. Mais au lieu d'annuler que cette clause, c'eût été facile, parce qu'ils l'ont fait dans d'autres affaires, ils ont annulé tout le truc. Donc il a fallu tout recommencer. Mais il n'y a pas eu de conséquences pécuniaires derrière. La requête indemnitaire a été rejetée. La requête indemnitaire a été rejetée. Voilà. Alors, qui est contre? Madame Singer? Juste une petite question, puisqu'on a déjà eu le cas où on n'avait pas pu trouver de délégataire. Je voudrais savoir quel est le plan B si effectivement on se retrouve dans cette situation de nouveau. Vous candidatez, Madame Singer. Je ne suis pas établissement hippique, je ne vois pas comment je pourrais candidater. On en a parlé lors de la commission à laquelle vous étiez, si mes souvenirs sont bons.
Effectivement, si on n'a pas de, si de nouveau la procédure est infructueuse, il faudra réfléchir, comme je vous l'ai dit lors de la commission, à une autre solution. Bien. On relance la DSP et on va essayer d'intéresser. Bon, problème, c'est que la situation économique n'est pas fabuleuse, comme vous le savez. Qui est contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Je vous en remercie. Alors, Yann Queneau, on travaille le dimanche ? Un peu. Alors, je vais faire en chiffres romains, 30, 31, 32 en même temps, puisque ça concerne la dérogation au repos dominical. Alors, pour mémoire, on a le droit d'en demander jusqu'à 12. Donc là, on demande juste un avis. Hein. C'est pas une décision, c'est un avis. Donc jusqu'à 5, la décision s'arrête au niveau après du maire. Et puis après, entre 5 et 12, il faut demander l'avis du conseil communautaire, etc. Donc sur la délibération numéro 30, ça parle des parfumeries et produits de beauté. Donc il y a une parfumerie qui a fait une demande pour 9 dimanches travaillés. Le 31, c'est l'alimentaire. Donc, il y a Casino et Picard qui ont fait une demande pour 12. Et pour la 32, c'est les autres équipements de foyer. Donc, de mémoire, je crois que c'est Nest et Eau en couleur qui ont fait une demande pour 5 ouvertures. Donc là, on demande juste un avis du conseil municipal. Et ensuite, quand il y en a plus de 5, ça passe à l'aglo qui donne un avis. Et ensuite, ça part dans tous les syndicats alentours. Donc, le 30... Le 31, la 31 en chiffre romain, ensuite la 32, pas de pression, votez, je vous en remercie. Alors, on poursuit avec Claude Kopelanski, avec une servitude. Oui, pour alimenter en électricité le nouvel espace culturel Malesherbes, le transformateur qui était sur le terrain était notoirement insuffisant. Il faut donc créer un nouveau transformateur et pour l'alimenter, pour passer le câble, il est nécessaire de créer une servitude qui sera à la charge d'Enedis, évidemment. Voilà. Puisque c'est une parcelle qui appartient à la commune. Et pour information, le transformateur sera situé à l'angle du bâtiment qui aujourd'hui est encore debout. C'est celui de l'ancien Malesherbes, côté... avenue Malesherbes, ce sera à l'angle au rez-de-chaussée, et avec un portillon qui donnera directement sur l'avenue Malesherbes. Une des conditions que Enedis puisse avoir accès facilement à ce transformateur. Pas d'objection, adopté. Alors, le point 34 en chiffre romain sur une légère modif du PLU. Monsieur Godert. Oui, on s'est aperçu qu'une erreur de délimitation d'un espace boisé classé dans la parcelle du rond Sainte-Hélène. En conséquence, on vous propose de faire une modification simplifiée et celle-ci sera mise à disposition tant sur le site de la ville que dans la mairie du 3 janvier au 3 février. Voilà, merci. Y a-t-il des remarques ? Oui, juste une remarque. Qui est-ce qui lève la main, là ? C'est Madame Fu. Allez-y, oui. Madame. Oui, puisqu'on parle de modification simplifiée, je me demandais si vous envisagiez une modification simplifiée pour inscrire la charte de l'arbre dans le PLU au moment venu. Certainement pas. Alors, vous savez, sur la charte de l'arbre, oui, madame, et quand elle va sortir, vous allez avoir quelques hauts le cœur. Et vous allez trouver que la ville fait beaucoup, alors que d'autres ne font pas tant que ça. Il est hors de question, m'entendez, de mettre une charte. C'est des recommandations. Et je vais vous dire une chose. Ne voyez pas les choses dans un carcan juridique. Il est beaucoup plus important de faire de la pédagogie et de faire, je dirais, des connaissances et d'aller à la rencontre des propriétés, car mettre ça dans, effectivement, le PLU... Ça n'a plus aucun sens. Je vous le dis comme je le pense. Ce serait une faute. Voilà. Madame Lavagne. Monsieur le maire, ce n'est pas à vous qu'on va apprendre l'importance du droit. Alors ça, c'est une remarque philosophique importante. Je suis... Une charte de l'arbre qui n'a pas de valeur juridique. On se calme, madame. Je peux vous dire, et vous devriez le savoir, j'ai déjà dû vous le dire. À votre avis... L'acte d'Helsinki, qu'est-ce que c'est ? Ben, dites-le-moi, puisque c'est l'importance du droit. Eh bien, non.
ce n'est pas un accord international. Et on y a veillé, puisqu'il est dit, ce document sera envoyé au secrétaire général des Nations Unies avec la mention qu'il ne soit pas enregistré dans les accords internationaux. Et pourtant, c'est cet accord qui est effectivement ce qu'on appelle un acte politique qui a foutu en l'air l'URSS. Donc vous voyez, donc vous êtes très loin. Et comme dirait le droit, ça ne résout pas tout. Le problème de cette société, c'est la judiciarisation de nos sociétés qui foutent le système en l'air, où on a des carcans de partout. Et bien de ce côté-là, vous avez encore beaucoup de progrès à faire. Merci. Bien, Madame Théron. Je rejoins la remarque de ma collègue, justement, sur la charte de l'Arve, qui vient, si elle est contraignante, réduire les droits à construire. Donc, on est totalement dans le domaine du plan local d'urbanisme. Et je trouve, effectivement, que pour lui donner une valeur juridique contraignante, on devrait l'intégrer à l'intérieur du pays. Et vous direz gérer les affaires après, madame. Hein, parce que le Code civil, en l'état, ne protège pas les arbres. Je suis en total désaccord avec cette affirmation qui est celle, je dirais, de gens qui veulent faire des procédures. Non, mettons-la. Je suis désolé, madame. Ce ne sera pas dans le PLU pour la bonne et simple raison qu'il faut savoir évoluer. Et il vaut mieux faire évoluer un texte qui sera un texte politique et pédagogique que de faire avoir de nouveaux carcans sur les reins. Alors, qui est contre cette modif? Personne. Merci. Alors, je poursuis parce que ce n'est pas terminé. Alors, Ingrid Coutant, convention avec la crèche. Je suis allé trop vite. L'entrée, ah oui, prorogation du traité. Vas-y, Serge. Surtout que c'est très important. Donc, nous sommes amenés, vous n'êtes pas sans savoir, que le chantier qui se déroule aux deux rues de la vieille église prend un peu de retard. De ce fait-là, nous étions obligés de prolonger les comptes de la ZAC, donc pour 6 mois seulement, en espérant que tout soit terminé. Et je vous demande de la prolonger, bien évidemment, jusqu'au 12 juin 2023. Et je vous en remercie également. Pas d'objection. Adopté. Alors maintenant, Ingrid Coutant, Babylou. Non, oui. Babylou, c'est. Si, plutôt, si, tout à fait. Oui, c'est toujours Babylou. Oui. Bah, alors, il s'agit simplement du renouvellement de la convention donc, avec la crèche privée associative Babylou, qui est située à Conflans-Sainte-Honorine. Cette crèche associative, elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui nous permet de pouvoir accueillir 2 enfants mansoniens sur des horaires atypiques. On vous demande simplement de renouveler cette convention pour une durée d'un an. Merci. Alors, on poursuit avec, notre ami Gino sur le personnel. Et qu'est-ce qu'il y a encore avant? Ah, il y a la modif du 37, pardon. Je tournais les pages un peu trop vite. Alors, c'est la modification du règlement de fonctionnement. Ingrid Coutant. Oui, alors là, c'est dans le cadre de la PSU. La CAF nous demande d'introduire le concept d'arrondi horloge. Alors, c'est simplement une modification des heures de contrat proposées aux familles. Et à partir du 1er janvier, les horaires d'arrivée et de départ ne se font plus au quart d'heure, mais se feront à la demi-heure. Donc, tout simplement, on propose des horaires d'arrivée à 7h30, 8h, 8h30 ou 9h. Et puis, le soir, les contrats se terminent à 16h30, 17h, 17h30 ou 18h. On n'a plus de quart d'heure. Donc, il vous est simplement demandé de modifier en ce sens le règlement de fonctionnement des établissements. Il n'y a pas d'incidence sur la facturation pour les parents. Oui, madame. Bon, juste une question. Il n'y a pas d'incidence sur l'encombrement, je dirais, des moments de dépose et des moments de reprise des enfants? Non, parce qu'au final, on se rend compte que globalement, dans la pratique, c'est plutôt aux heures pleine ou à la demi-heure que les parents arrivent. Donc, on n'aura pas de soucis de ce côté-là. Pas d'objection, adopté. Alors, j'en viens, mais j'étais un peu, donc à Gino Necchi, avec 38. Oui, alors, il s'agit de la suite de la question à laquelle j'ai répondu. Vous voyez, là, j'ai compté, il y a 27 mouvements de fonctionnaires d'ajustement par rapport à leur qualité et par rapport au poste. Donc, je vais vous demander, bien évidemment, de voter ces dispositions.
J'ajoute l'adaptabilité des horaires des professeurs du conservatoire et j'y ajoute aussi la création pour permettre, comme nous faisons chaque année, d'engager 3 personnes qui vont compter les habitants de Maison Lafitte, puisque, comme vous le savez, maintenant, c'est organisé chaque année. Voilà ce que je vous demande de voter. Pas d'objection ? Juste une question. J'espérais voir à l'intérieur quelque chose pour la police municipale et le remplacement du chef de police municipale qui est parti. Est-ce que vous auriez des informations sur ce sujet ? Non, mais là, il s'agit... D'abord, premièrement, nous ne répondons pas jamais à une question personnelle. Si vous voulez des questions, c'est différent, mais c'est strictement interdit, et heureusement d'ailleurs. Et puis, en ce qui concerne la police municipale, actuellement, les effectifs, effectivement, se remplissent au fur et à mesure des nominations qui arrivent, car nous avons des candidats. Merci. Je m'étonne de votre remarque, madame. Non, non, mais ce n'est pas une question. Ah non. Jamais des questions personnelles comme jamais. Ça. C'est incroyable. Vous osiez même vous prononcer à ce titre, je vous le dis. Ce qui me fait douter de beaucoup de choses. Merci. Donc, oui. Qui est contre ? Adopté. Alors, personnel communal sur l'adhésion au contrat de groupe. Oui, alors là, il s'agissait d'un contrat pour la police municipale. Vous avez une convention... qui va être passé entre les différents organismes qui gèrent la police municipale pour éviter effectivement une formation individualisée. Ça nous permet d'avoir un tuteur et puis des exercices en commun. Voilà, sur la police municipale. Et puis, distinctement, une autre question s'agissant maintenant des suites de l'absentéisme ou des maladies de fonctionnaires, l'adhésion dans le cadre de la procédure que nous avions lancée, vous aviez déjà voté, du centre interdépartemental de gestion. Cela nous permet, évidemment, lorsqu'il y a des frais en conséquence d'absence de fonctionnaires, d'avoir une garantie et non pas le faire au coup par coup. Et la négociation se fait dans le cadre du centre interdépartemental de gestion. Parfait. Y a-t-il des remarques, des objections ? Il n'y en a pas. Adopté. Je viens maintenant au point 40. Personnel communal, protocole de mutualisation. Monsieur Nick. C'est fait, hein, tu l'as parlé, mais non, mais c'était pas ça. Bon, alors attendez, je fais voter quand même différemment. Il y a d'abord donc le 39, on est d'accord, et le 40, pas de problème, il est voté. Alors maintenant, adhésion au groupement de commandes de la Grande Couronne pour les marchés d'assurance. Tu as fait le 41 aussi ? Eh ben dis donc, c'est que j'ai pas suivi. C'est grave. Bien, alors maintenant, j'en viens au dernier point. Faites voter le 41. Le 41, qui est contre ? Personne, c'est bon. Et ensuite, alors, on prend contact, ou plutôt on prend acte d'une série de rapports au point, ça fait 42 et 43. Y a-t-il des remarques ? Tout comme le 44 sur la SEM et tout le 45, rapport annuel sur la qualité des eaux, qui est très bonne à Maison Lafitte. Y a-t-il des remarques ? Avez-vous lu ça dans le détail ? Ah, allez-y, madame. Vous voulez un peu d'eau ? Oui, oui, je vous écoute. Donc, sur le rapport d'activité de 2021, donc, sur la durée, je pourrais avoir des précisions sur la durée de vacances des logements. Il est mentionné que la programmation des dates de commission pourrait être optimisée et que vous signalez aussi dans une résidence un fort taux de non-recouvrement des loyers. Et comment se fait-il que ce soit, voilà, qu'il y ait cette... comment vous expliquez ça ? Le non-paiement des loyers ? Oui, dans une résidence plus particulièrement. Parce que ce n'est pas seulement dans une résidence particulière, c'est qu'effectivement, on a un problème de gens qui ont compris le système,
et c'est pour ça que j'ai donné des instructions très claires. Vous avez des gens qui ont décidé de ne pas payer les loyers, vu, parce qu'ils prétendent qu'ils ont des frais, etc., qu'ils ont acheté une chaîne IFI et j'en passais les meilleurs. Et donc, ça va dans ce qu'on appelle le réchelonnement de la dette devant une commission de la Banque de France. On est d'accord? Bien. Et puis là, chaque fois, il y a des remises de dette qui sont à la charge de la société d'HLM. Donc, j'ai décidé, parce que la jurisprudence de la Banque de France, ça commence à bien faire, qu'à chaque fois que c'est le cas, on déciderait d'aller au TA pour faire modifier cela. C'est ça qui se passe. Et c'est-à-dire qu'il y a un abus du système où la prise en charge par le réchelonnement des dettes se retourne contre les sociétés de HLM, la SEM et bien d'autres, et que ça commence à bien faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, mais c'est l'abus du système. Et à chaque fois qu'il y a des impayés, la SEM notamment, tous les services de la SEM vont voir les individus, leur dit quand est-ce que vous allez payer, etc., de rien laisser passer. Et si on le fait, si on ne le fait pas, eh bien, ça s'accumule. Voilà. Bon, on ne va pas lancer un débat sur l'endettement des plus fragiles, mais j'aimerais continuer sur le rapport de la SAEM. Et donc, vous avez commencé à donc, initier une politique d'achat de logements sociaux, et donc, au 25 avenue Général de Gaulle, et dans une autre résidence. Quels sont les autres endroits où vous envisagez ce que la SAEM achète des logements sociaux? Pardon? Donc, à quel autre endroit de Maison Lafitte envisagez-vous que la SAEM achète des logements sociaux? C'est en fonction, je dirais, d'un certain nombre d'opérations. Je vous rappelle que la SAEM, nous sommes obligés, bien sûr, de payer les surcharges foncières et qu'il y a un certain nombre de limites. De toute façon, sur l'opération Citroën, la SEM vient également. Donc, ça fait une deuxième opération. Actuellement, il va y avoir sans doute 2 à 3 opérations dans lesquelles la SEM va investir, ce qui est énorme. Je vous rappelle que lorsque je suis arrivé dans cette mairie, il y avait je crois, 350 logements, notamment à la SEM, et qu'aujourd'hui, nous en avons quand même beaucoup plus. Sur toute la ville, il y avait 350 logements. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Monsieur Léjoie. Oui, 2 questions sur le rapport CIGEF. Une question que je pose chaque année, donc il y aura peut-être la même réponse. Au niveau des certificats d'économie énergie, c'est quand même dans l'air du temps, avec le gaz qui est à peu près x4 en ce moment. Est-ce que on a fait une action avec le CIGEF pour développer les certificats d'économie d'énergie à Maison Lafitte? Le CIGEF aide, et donc ça pourrait être intéressant. Première question. Et deuxième question, concernant l'éclairage public. Le CIGEF indique dans son annexe, le CIGEF contribue à la modernisation et à la sobriété énergétique de l'éclairage public pour 66 collectivités et a développé 1,48 million d'euros, pardon, pour 58 communes sur ce développement de la qualité de l'éclairage public. Est-ce que Maison Lafitte en a bénéficié? Non, Maison Lafitte n'en a pas bénéficié. Pour les certificats d'énergie, on a un bureau d'études extérieures qui s'en occupe. Pourquoi pas avec le CIGEF directement, puisqu'il se propose d'aider? Oui, mais on a pris un bureau d'études extérieures. Ça coûte encore plus cher, alors que le CIGEF, c'est gratuit. Bien. Le service n'était pas intéressant. Oui, Madame Géin. Oui, je reviens sur le problème des impayés. Je trouve complètement déplacée votre remarque que vous venez de faire là sur le fait que les gens qui ne payent pas leur loyer achètent une chaîne IFI. Je trouve ça, je ne peux pas laisser passer, je trouve ça scandaleux. Alors, Madame Géin, quand vous connaîtrez un peu mieux, je dirais, ce qui se passe dans ces impayés. C'est honteux dans la bouche. Je vous en prie, madame. Vous, franchement, vous n'avez que polémique dans la bouche. Et c'est grave. Et je peux vous dire que je suis désolé de dire, parce que je connais les choses, on a un certain nombre de gens qui ont ridicule et honteux. Vous permettez, quand vous avez des gens
qui gentiment ne payent pas et déménagent à la cloche de bois et qu'on essaye de les retrouver, comment fait-on? Deuxièmement, quand vous avez des gens qui refusent systématiquement de payer, sachant que de toute façon ils vont aller ensuite en réchelonnement de dette et que la dette va être en la créance ou la dette qu'ils ont va être annulée, eh bien il y a un moment, c'est la réalité. Que vous nous en déplaise. Et madame, vous au lieu de vouloir polémiquer à longueur de temps, je polémique pas, je souligne humaine. Le décalage de votre. Oui, madame, vous n'allez pas m'apprendre ni mon droit, c'est le cas de dire, ni la réalité telle qu'elle existe. Vous êtes sûrement de ceux qui pensent que les gens achètent les téléviseurs avec leur. Eh bien, c'est la réalité. Leur allocation madame. De rentrée scolaire. Non, mais il y a un moment, je trouve que franchement, vous êtes dans la polémique la plus totale et le déni de réalité. Continuez, c'est un acte. Je vous souhaite de joyeux Noël et pour montrer qu'on fait des économies, il n'y aura pas de réception pour le dernier semestre. Voilà. Et la date du prochain conseil municipal, s'il vous plaît.